La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant aux amendements identiques numéros 2125 et 4669 à l'article 1er. Nous allons donc continuer sur l'article 1er. Le 2125 n'est pas défendu. Ah, pardon. J'ai encore je suis venue. Visages d'hier soir. Excusez-moi. Bon. Donc, vous m'autorisez à le défendre. Allez-y, merci, madame. Monsieur le Président. Bernanos, lors des conférences compilées dans l'essai « La liberté, pourquoi faire ?», déclarait « Même le plus optimiste des hommes sait maintenant qu'une civilisation peut devenir dangereuse pour l'humanité. Il suffit qu'elle soit constituée et développée d'après une définition incomplète et même fausse de l'homme. » Que ces paroles nous rappellent à quel point la loi peut être un instrument dangereux lorsqu'elle perd de vue ce qui la fonde, c'est-à-dire l'intérêt général. Ça commence comme je le souhaite, madame. S'il vous plaît, allez. Aujourd'hui, les règles applicables en matière de conflit des lois, dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé, veulent que les conditions de fond du mariage soient déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. Le projet de loi change la règle pour les couples de même sexe en opérant une codification au sein du Code civil afin de prévoir qu'un Français peut se marier avec un ressortissant étranger du même sexe ou bien deux ressortissants étrangers peuvent se marier en France. Mais même dans le cas où la loi personnelle de l'un ou de l'autre des époux, des futurs époux, ne reconnaîtrait pas la validité de telles unions. Dès lors, bon, pour au moins un des époux, soit la loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel est son domicile ou sa résidence le permet. Et c'est pour cette raison que je vous demande de supprimer les alinéas à 1 à 16 de ce premier article. Merci Madame Dalloz. Avis de la Commission. Favorable, Monsieur le Président. La règle de conflit de loi, elle a, vous l'avez rappelé Madame Dalloz, a un objectif simple, celui de permettre à un Français d'épouser un étranger dont la loi personnelle ne permettrait pas ou le mariage avec une personne de même sexe. En l'absence de règles de conflit de loi, et vous nous proposez de la supprimer, c'est la jurisprudence en matière de droit international privé qui s'applique, selon lequel les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle. Il est donc indispensable, nécessaire, mais on y reviendra au cours de la discussion dans les amendements prochains, de prévoir un dispositif spécifique garantissant aux Français la possibilité de se marier avec un ressortissant étranger du même sexe ou à deux ressortissants étrangers de se marier en France. Donc, avis défavorable de la Commission. Sur le vote de l'amendement 2125, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans la salle de l'Assemblée nationale. Avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement est défavorable à cet amendement. Si nous avions omis ces dispositions, cette loi aurait été en défaut parce qu'elle permet ces dispositions. Évidemment, deux alinéas, le premier qui rappelle la disposition générale, le deuxième alinéa qui indique la possibilité d'application donc pour un couple de personnes de nationalité différente, par exemple, qui permettrait à un conjoint français et un conjoint anglais de se marier en France. C'est ce que permettent ces alinéas. Donc, pour ces raisons, le gouvernement est défavorable parce qu'au contraire, nous avons été vigilants à ne pas oublier d'inscrire ces dispositions dans la loi. Monsieur Mariton, pour défendre l'amendement. Oui, l'amendement de notre collègue est justifié. On a déjà évoqué les risques de contradiction ou les risques de complexité dans l'articulation des dispositions nationales, des dispositions d'autres pays. Depuis notre précédente discussion, Madame le Ministre, j'ai récupéré auprès de professionnels un certain nombre de notes que je vous passerai, si vous le souhaitez, qui précisent les risques à venir. L'édifice juridique que vous proposez est mal calibré, en particulier avec la volonté systématique que vous avez d'asile conjugal. Dois-je ajouter que je suis assez perplexe, sans doute on y reviendra,
sur la rédaction de l'alinéa 15, toutefois deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage, etc. Est-ce que cet alinéa n'est pas à certains égards discriminant pour des personnes qui seraient de sexe différent? L'approche du gouvernement et de la commission des lois, du rapporteur, de la majorité, qui est celle de chercher systématiquement, et quelles que soient les conditions de l'état d'origine d'une des deux personnes, quelle que soit l'articulation de droit entre la France et le pays étranger, de permettre dans toutes les circonstances le mariage de personnes de même sexe en France, au mépris de l'articulation de la loi du pays d'origine et de la loi française, va construire un état de droit inextricable. Vous dites que vous proposez une solution aux personnes de même sexe, vous leur proposez des problèmes. Madame Corinne Narasiguin. Monsieur le Président, nous ne soutenons pas au groupe SRC cet amendement, puisqu'effectivement, nous voulons que l'égalité des droits soit complète sur le territoire français. Les hétérosexuels étrangers ont aujourd'hui le droit de se marier en France lorsqu'ils y résident. Il est que justice que les homosexuels puissent le faire également. Et je voudrais ajouter par ailleurs que depuis des années maintenant, des Français peuvent se marier à l'étranger. Et la France, des Français homosexuels peuvent se marier à l'étranger dans des pays où cela est possible. Et la France aujourd'hui ne reconnaît pas ces mariages. Donc ce sera aussi l'objet d'un autre article dont on pourra parler plus tard. Mais je pense qu'il serait aussi bon que nous reconnaissions à l'inverse, enfin, ce droit également aux étrangers en France. Madame Schmitt. Merci, Monsieur le Président. Au moment où nous en sommes dans les débats, il n'est pas autorisé, puisque l'Assemblée a refusé hier un amendement que des Français de l'étranger qui ne pouvaient pas se marier selon la loi locale ni dans les consulats puissent se marier en France. Donc ça a été refusé hier. Il n'y a aucune raison que cet amendement soit accepté. Je vous remercie. Oui, Monsieur Bernard Roman. Je trouve que c'est une façon bizarre de poser le problème de l'intérêt général. Comme l'amendement de madame n'est pas accepté, un amendement qui règle le problème à peu près de la même manière ne doit pas être accepté. Vive l'intérêt général. Alors, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 2125. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 181, suffrages exprimés 181, majorité absolue 91, pour 57 contre 124. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Le 4669 n'est pas défendu. Voilà. 4745, je donne la parole à Monsieur Huet. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de coordination, puisque nous avons proposé hier le concept juridique d'alliance civile qui serait une excellente synthèse entre le mariage d'un côté et le pacte de l'autre, étant bien entendu, et je le rappelle, que le groupe UMP souhaite trouver une solution de compromis, une solution de synthèse, de façon à respecter les droits des couples homosexuels, notamment en matière successorale et en matière patrimoniale, mais ne souhaite pas, je veux le répéter aussi, que ce projet de loi emporte la filiation et encore moins la PMA et la GPA telle qu'elle est prévue dans la circulaire de Madame le garde des Sceaux. Donc l'amendement
qui est présenté est un amendement de coordination qui consiste à rajouter à un certain nombre d'alinéas, en l'occurrence ici à l'alinéa 14, la notion d'alliance civile. Et qu'en pense la Commission ? Avis défavorable par cohérence, Monsieur le Président. Le gouvernement ? Pour les mêmes raisons, puisque l'amendement alliance civile a été rejeté. Monsieur Breton. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'on peut regretter à nouveau ce blocage. Il y a une solution de compromis, de consensus sur cette union civile qui, à l'agrément de beaucoup de Françaises et de Français, on a vu hier qu'il y a deux conceptions qui s'opposent. C'est normal, c'est dans notre droit, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Si on divise les Françaises les uns contre les autres, c'est ce que vous faites. Et c'est du 50 contre 50, avec... Non, il y a un peu plus pour le mariage, mais on sait qu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui est contre l'adoption, qui est dans votre texte, ou alors on cherche une solution de compromis. Vous la refusez, c'est vraiment regrettable. Le deuxième point, je crois que l'intérêt également de cette union civile ou de cette alliance civile, eh bien, c'est par rapport à la filiation qui n'est pas prévue dedans. Et on l'a bien vu, la seule chose qui intéresse, le seul élément qui... vous intéresse dans ce sujet, ce n'est pas du tout le mariage, mais c'est l'affiliation qui va avec. Nous aurons l'occasion d'en reparler au moment de l'adoption, mais c'était tout l'intérêt, c'est effectivement dire il y a des droits qui peuvent être les mêmes, mais il y a une ligne à ne pas franchir, c'est effectivement cette notion de filiation. Donc je regrette vraiment qu'on ne puisse pas avoir de dialogue sur un sujet comme celui-là. Tous les amendements qu'on fait ont un avis défavorable. C'est normal, quand il s'agit d'amendements de suppression, vous proposez un texte. Mais quand on a des amendements qui sont plutôt positifs, constructifs, eh bien là, nous pouvons regretter votre entêtement. Nous assistons vraiment à un dialogue de sourds qui est dommageable pour la qualité de nos débats parlementaires. Je vous remercie. Sur le vote de l'amendement 4745, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Corinne Narasiguin. Président, je crois que nous avons déjà eu cette discussion pendant plusieurs heures hier. Nous avons déjà expliqué à multiples reprises pourquoi nous pensons que l'alliance civile, ça n'est pas l'égalité. Je pense qu'il est inutile d'y revenir. Nous ne voterons donc pas cet amendement. Merci, Monsieur Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Tout simplement pour dire que la majorité des membres du groupe UDI soutiennent cet amendement, car il justement propose un compromis qui évite le recours et la validation de la filiation, de la neutralisation de la filiation et donc de l'adoption plénière. Donc nous soutenons cet amendement. Merci, Monsieur Laffineur. Oui, je crois que, Monsieur le Président, notre collègue vient encore une fois de montrer quelle est votre philosophie dans ce texte, en parlant d'égalité du mariage. Non, justement, nous pensons que c'est l'égalité pour les enfants. Et c'est ce que nous vous disons depuis le début, et c'est la raison pour laquelle on fait des efforts sans arrêt pour essayer de trouver un compromis, et on vous propose l'alliance civile qui permet de pouvoir donner les mêmes droits aux couples homosexuels en ce qui concerne des droits juridiques, mais qui permet de protéger justement l'enfant, parce que ce que nous voulons, c'est l'égalité des enfants vis-à-vis de la famille dans laquelle ils peuvent vivre. Donc vous voyez, je crois que vraiment ça montre qu'en permanence, ce que vous voulez derrière, en fait on le sait bien, c'est la PMA et c'est la grossesse pour autrui. Et d'ailleurs, mais oui, mais bien sûr, d'ailleurs la ministre l'a très bien dit dans le décret qu'elle a fait passer il y a 8 jours, et elle l'a fait exprès de le faire juste avant ce débat pour bien montrer quelle était sa philosophie et quel était le devenir de ce texte et ce que vous vouliez faire à la fin. Donc c'est très clair, et nous ne sommes pas du tout, bien sûr, sur cette position, et je crois que c'est l'égalité des enfants que nous voyons avant tout. Monsieur Le Quillet. Oui, comme je l'ai déjà indiqué, je crois que sur des sujets de société comme celui-là, avec l'importance qu'elle a, il faut savoir trouver des terrains de rencontre. Et la proposition qui est faite d'alliance civile est évidemment une proposition qui aurait pu rassembler les points de vue des uns et des autres.
Je ne parle pas dans l'hémicycle, je parle dans la nation, dans le peuple. Et on aurait pu concilier la volonté, évidemment, d'améliorer le sort des couples homosexuels, mais en même temps de protéger l'enfant. Mais visiblement, vous ne voulez pas de ce compromis. Dès le début, vous avez engagé la voie sur le mariage avec adoption, avec PMA, avec GPA. Voilà vers quoi vous nous menez. Et je voulais vous dire que je regrette vraiment que sur un sujet de cette importance, vous ne cherchiez aucun compromis. Le gouvernement aurait pu avoir une position de rassembleur. Il a une position de diviseur dans la population. Bon, mes chers collègues, on se calme. Ça fait à peine un quart d'heure que nous sommes ensemble. On ne va pas s'énerver, on en a pour tout le week-end. Monsieur Vernier. Oui, monsieur le Président, j'ai dit... Monsieur Breton. J'ai dit hier, dans la soirée, à la suite de l'intervention d'un de nos collègues, je n'aurais pas aimé dire cela. Et j'ai entendu des réflexions du style irrespect, etc. Je n'ai pas, monsieur le Président, interrompu notre collègue. J'ai simplement dit, je n'aurais pas aimé dire cela. Et cet hémicycle, depuis des années, résonne de débats divers, passionnés, quelquefois un peu enflammés, mais c'est la République qui se construit ici. Alors je voudrais rassurer nos collègues, je crois qu'ils ont besoin de l'être. Nous irons jusqu'au bout de ce texte, car telle est notre intime conviction. Nous irons jusqu'au bout et nous le voterons largement. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des grands textes de société, vous ne reviendrez pas à la suite du vote sur ce texte. Vous n'êtes pas revenu d'ailleurs sur l'abolition de la peine de mort. Vous n'êtes pas revenu non plus sur la couverture maladie universelle. Vous n'êtes pas davantage revenu sur le PACS. Eh bien, je sais qu'à chaque fois que nous venons, vous attendez de nous que la société progresse, que les libertés progressent. Alors soyez rassurés, nous n'aurons aucune faiblesse et nous ferons voter ce texte important pour la vie des Françaises et des Français. Monsieur Serge Janquin. Merci, monsieur le Président. Je voudrais quand même que nos collègues de l'opposition cessent de présenter leur projet d'alliance civile comme un compromis. Ce n'est pas un compromis. Ce que vous nous demandez, c'est une reddition sur notre position. Il n'en est pas question. Je voudrais faire référence à une superbe phrase de Marguerite Yourcenar. Il faut consentir aux mots quand on a consenti aux choses. Nous, nous regardons la société comme elle est, comme elle fonctionne, et partant de là, nous voulons que dans notre verbe, dans notre droit, on aboutisse à ce principe de l'égalité. Nous ne céderons pas sur ce principe, sachez-le. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Alors, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 224, suffrages exprimés 224, majorité absolue 113, pour 72, contre 152. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Monsieur Mariton, pour un rappel au règlement. Il a bien raison. Seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bonjour, monsieur le Président. À la fois sur la forme et sur le fond, monsieur le Président, pour l'intelligibilité de nos débats, je ne sais pas ce qu'il en est d'autres collègues, mais pour ce qui me concerne, je n'ai rien compris.
de la première partie du propos de notre collègue Vernier. Et je pense que pour que l'Assemblée soit éclairée, il est important que les choses soient dites sans trop de non-dits, sans trop de sous-entendus et de manière intelligible par chacun. Si vous pouvez veiller à ce qu'il y ait de vrais échanges et que nous puissions comprendre ce que disent nos collègues réellement, mais très bien. Je pensais être éveillé, je n'ai rien compris. Par ailleurs, Monsieur le Président, s'il vous plaît, si notre Assemblée doit avoir un sens, il serait bien que nos collègues assument que deux visions peuvent être en débat, mais qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui nécessairement, inéluctablement, aujourd'hui, sur ce texte et pour l'éternité des temps, auraient raison, voteraient la loi et écriraient l'histoire, et d'autres qui, dans l'obscurité, chercheraient simplement à faire obstacle. Non, nous avons deux visions. Elles sont recevables, audibles et légitimes. Nous avons, je crois, l'ouverture et l'intelligence d'entendre que la vôtre puisse s'exprimer, accepter que la nôtre ait aussi du sens. Merci. Monsieur Mariton, permettez-moi de vous dire qu'au niveau de la présidence, nous ne doutons pas que vous, comme tous les collègues qui sont dans cet hémicycle, comprennent parfaitement les propos de chacun des députés. Alors, nous en venons à l'amendement numéro 24. Alors, là, nous avons 106 amendements identiques. Et je donne la parole à Monsieur Le Fur pour défendre l'amendement 58 pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et bonjour à nos ministres. Cet alinéa 15 que nous voulons supprimer semble technique. Il est en fait extraordinairement politique. Jusqu'à présent, en droit international privé, les choses sont claires. Les règles du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. Vous voulez déroger à cette règle constante au bénéfice des couples homosexuels, en particulier dans l'hypothèse où l'un, un Français, se marie à un étranger, un Français se marie à un Marocain, par exemple, sa loi personnelle ne lui permet pas, mais vous voulez y déroger, et même également pour les couples étrangers, deux Chinois dont la loi personnelle ne permet pas le mariage homosexuel, pourront se marier en France. Vous voyez bien que ce sujet pose un problème majeur. Premièrement, un problème de discrimination, puisque vous organisez une discrimination, cette fois au bénéfice des couples homosexuels, alors que la loi personnelle est la règle pour les couples hétérosexuels. Deuxième sujet, j'espère que vous nous rassurerez, Madame la Ministre, conséquences sur l'immigration. Troisième sujet, nous organisons le fait de bafouer des règles étrangères de pays amis. C'est-à-dire que demain, des homosexuels issus de pays étrangers avec lesquels nous entretenons des relations d'amitié pourront, voulant ne pas respecter leurs propres règles, venir se marier chez nous. Nous organisons également une formidable mondialisation du mariage. Regardez ce qui va se passer demain. Des étrangers viendront en France se marier pour respecter les règles qui sont les nôtres et ne pas respecter leurs règles d'origine. Et les Français ou les Françaises iront organiser PMA et GPA à l'étranger, puisque ceci nous a été confirmé par la circulaire. Donc en fait, nous posons à travers cet amendement non pas un problème technique, mais un problème de fond. Merci. Monsieur Lafineur, sur l'amendement 205. Allez, allez. Oui, écoutez, mon cher collègue, je crois qu'on a le droit de prendre la parole comme les autres. Et qu'on ne vous interrompt pas. Pourtant, Monsieur je Lafineur, sais que vous dites Monsieur des bêtises. Lafineur, allez-y. Et non, Monsieur le Président, il y a quand même allez. Un peu de tenue à avoir dans ces débats. Et sans se faire interrompre en permanence par d'autres députés. Alors je veux dire sur cet amendement, Marc Le Fur vient de le défendre de façon excellente, mais c'est vrai que vous faites là une discrimination qui est invraisemblable. Vous parlez d'égalité en permanence et vous ne faites que des textes pour justement discriminer et ne plus avoir d'égalité. Et je crois que là, on le voit bien, d'ailleurs, ça va bien avec votre politique sur l'immigration, où vous allez avoir, par des textes comme cela, une aspiration qui va venir dans notre pays. Donc je crois que, quand même, la moindre des choses, c'est de pouvoir avoir les mêmes droits que pour les couples hétérosexuels. Et donc, il faut absolument supprimer
cet alinéa, justement, soi-disant, au nom de votre égalité que vous défendez tant. Merci. Amendement numéro 220, Monsieur Laurent Marcangeli. Merci, Monsieur le Président. Oui, bien, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit par Marc Laffineur et Marc Le Fur, c'est un édifice que nous bouleversons encore une fois avec cet alinéa 15. Je rappelle tout de même que l'étude d'impact qui a été réalisée dans le cadre de la préparation de cette loi ne s'est pas arrêtée suffisamment sur les risques de flux que peuvent entraîner les dispositions dont nous discutons ce matin. Alors, nous proposons la suppression de cet alinéa. Nous la proposons pour éviter d'abord, comme l'a été dit tout à l'heure, de heurter nos voisins, nos pays amis qui aujourd'hui n'ont pas ouvert le droit au mariage pour les couples de même sexe. Et nous le faisons également pour éviter ce qui pourrait s'apparenter à une forme de tourisme conjugal. Merci. Monsieur Christian Jacob, amendement 298. S'il vous plaît. Allez, monsieur le Président Jacob. Merci, monsieur le Président. Si nos collègues pouvaient éviter, monsieur le Président, de ponctuer chacune des interventions des députés de l'UMP par ridicule, lamentable, etc. On a autant de noms d'oiseaux qu'on peut affecter. Mais pour cela, il faudrait effectivement qu'ils s'expriment autrement qu'en vociférant. Et puis qu'on ait le plaisir de vous entendre intervenir sur les sujets. Vous n'intervenez sur rien. Vous vociférez, vous hurlez, vous invectivez. Prenez le micro, défendez vos arguments, qu'on vous entende. Allez, monsieur Jacob, s'il vous plaît. Sur cet amendement 24, monsieur le Président, pas la tentation. On a effectivement un sujet que vient d'évoquer monsieur Marcangeli, c'est l'étude d'impact qui a été totalement insuffisante. On l'a vu hier sur le droit des enfants. Les remarques qui ont été faites par le défenseur des droits méritaient d'être entendues. C'est-à-dire qu'on a une étude d'impact qui n'a absolument pas mesuré toutes les conséquences directes et indirectes que pouvait porter votre loi. Et on le voit là aussi avec vraisemblablement beaucoup de recours qui pourront être ouverts parce qu'on part, sauf erreur de ma part, mais Madame la Ministre n'hésitera pas à me corriger si je commets une erreur, on crée une vraie discrimination avec un droit différent pour les mariages, pour les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Parce que si je comprends bien, pour les couples hétérosexuels, la loi personnelle continue à s'appliquer. Or là, vous feriez une exception uniquement pour les couples homosexuels. Enfin, vous me répondrez tout à l'heure sur ce point, mais je pense que c'est un vrai sujet de discrimination qui est écrit dans cet article 15. L'autre point, c'est qu'il y a effectivement dans les lois personnelles des critères d'âge. Il y a certains pays qui interdisent le mariage des couples homosexuels, donc on va avoir là un problème de recours venant de ces pays, mais on a aussi des critères d'âge. On pourra aussi, par voie de conséquence, mais là aussi vous me répondrez, est-ce qu'on va toucher les critères d'âge sur l'adoption ? À partir du moment où on pose le problème sur le mariage, vous savez qu'on a des différentiels d'âge pour pouvoir adopter dans un certain nombre de pays. Est-ce que ça portera à conséquence dans le cadre de cette... Merci. Merci. Monsieur Mariton, 346. Je souhaiterais savoir si le gouvernement, le rapporteur, la majorité s'est penché sérieusement sur l'impact de ces dispositions. Quand vous regardez l'étude d'impact fournie avec le projet de loi, elle est silencieuse, ou plus exactement, elle prend acte qu'il peut y avoir un impact en assumant qu'elle est incapable d'en évaluer la dimension sérieusement. Ça pose tout de même un petit bout de sujet. Le gouvernement avoue, dans l'étude d'impact, qu'il nous propose de légiférer, je l'ai dit tout à l'heure, dans des conditions juridiques particulièrement bancales et immaîtrisées, avec des conséquences physiques, des conséquences financières, parce que ces mariages entraîneront un certain nombre d'effets, aussi bien en termes de finances publiques que de finances de la sécurité sociale, qui n'ont pas été évalués. Mais c'est avoué tel que... Il y aura un impact, mais on ne sait pas de combien, on fait l'impasse, on continue. Il y a là quelque chose d'extrêmement grave. Quand notre collègue Thierry Mariani pose la question de l'impact sur les flux migratoires, dire qu'ils seront considérables serait totalement démagogique. Et je ne serai pas là-dedans, Thierry Mariani non plus. Mais lorsque nous disons qu'il peut y avoir un effet,
C'est simplement la conséquence même du texte. Assumez que votre texte ait des effets et ayez la gentillesse de nous en dire l'ampleur. Sinon, on légifère en aveugle. Et excusez, nous ne sommes pas d'accord sur votre projet globalement. On aimerait bien comprendre son intelligence point par point. Pour l'instant, nous n'avons satisfaction ni sur la stratégie générale, ni sur la compréhension de telle ou telle conséquence d'un projet dont vous ne maîtrisez aucunement les effets, y compris et particulièrement dans cette dimension. Merci, Monsieur François de Mazière, amendement 460. Oui, après le débat long d'hier, nous avons eu une nuit. Et ça nous permet de reprendre un petit peu les réflexions. Et on voit bien qu'effectivement, nous sommes sur une vision complètement différente de la société. Une vision qui porte, nous, sur la protection de l'enfant. On a dit, on souhaite que l'enfant puisse avoir une père et un mère. Et nous pensons qu'on crée une inégalité fondamentale. Je me permets de le rappeler parce que, à la veille de la nuit, vous avez, monsieur le rapporteur, évoqué le professeur Flavigny. Allez, allez. Et donc, allez. Je suis allé prendre sa littérature. Et le titre de son livre, c'est « Je veux papa et maman ». Et je trouve que vous l'ayez évoqué à l'appui de votre démonstration est tout de même un peu étrange. Je crois surtout l'essentiel, c'est qu'on voit bien que là, vous avez dû trouver un certain nombre de subterfuges. Or là, nous, on l'a évoqué mille fois, le fait que vous êtes obligé de séparer en deux temps le problème de la PMA. Et là, sur une question très concrète, où il y a besoin d'une étude d'impact, là, les réponses ne sont pas là. Alors, pourquoi n'avez-vous pas pris le temps de la réflexion, et surtout avec les Français, en faisant ce grand débat que nous avons sans cesse demandé? Monsieur Gosselin, pour l'amendement 595. Oui, monsieur le Président, je voudrais revenir en quelques mots sur l'étude d'impact qui est vraiment indigente, et du reste, ce n'est pas la première étude d'impact qui soit un peu indigente. On nous donne comme une évidence qu'il n'y a pas finalement de risque particulier. Mais réellement, il y a des risques de heurtage avec des conventions internationales. Des conventions bilatérales pourraient être mises à mal. Et je crois que ce n'est pas étudié. Donc il y a vraiment des éléments juridiques qui demandent des précisions qui n'existent pas aujourd'hui. On revient totalement sur le droit commun habituel, qui est un principe de droit international civil, qui est que la règle personnelle s'applique. Donc ça mérite vraiment un examen très, très approfondi. Et puis je voudrais rebondir aussi, je ne vois pas nécessairement un afflux qui serait aussi exceptionnel que certains veulent bien le dire, mais il serait quand même fâcheux que la France devienne une espèce de grand Las Vegas du mariage, avec un tourisme matrimonial, qui irait en se développant. Alors je veux bien que ça fasse de l'activité économique, monsieur Le Guen. Ça permettrait peut-être de masquer l'indigence du gouvernement sur ce point. Vous avez parfaitement raison, et c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, en ce moment, on a besoin davantage de lois, de protection pour le chômage, pour l'économie, plutôt que pour toutes ces questions de société. Effectivement, vous avez raison de le rappeler, la vérité vient bien de votre côté ce matin. Merci. Madame Ponce, sur l'amendement 653. Monsieur Huet, sur l'amendement 765. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'une rédaction qui montre bien l'incohérence juridique du gouvernement, puisque, comme il a été indiqué tout à l'heure par Marc Le Fur et par Marc Laffineur, on est dans une situation qui est discriminatoire entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, alors que vous n'avez de cesse ni de répit depuis des journées entières, des semaines entières et des mois entiers que de nous dire que ce texte va dans le sens de l'égalité. Alors on verra ce que dira le Conseil constitutionnel lorsqu'il sera saisi sur cette discrimination que vous faites. Je voudrais aussi mettre l'accent sur le danger qu'il y a en termes de flux migratoires, parce que vous avez aussi beaucoup revendiqué le fait qu'un certain nombre de pays européens avaient adopté le mariage homosexuel. En fait, il y en a 6 sur 27.
les masques tombent là aussi, 6 sur 27. Eh bien, on verra, mais il y a fort à craindre qu'il y ait des flux migratoires très importants sur le mariage, comme il y en a d'ailleurs sur l'aide médicale d'État, parce que je voudrais rappeler que vous avez supprimé le forfait qui avait été mis en place sur l'aide médicale d'État, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, les seules personnes qui ne participent pas au financement de la protection sociale, ce sont les personnes étrangères en situation irrégulière. Eh bien, on rajoute encore une couche à cet élément-là. C'est quelque chose qui est tout de même assez, assez dommageable. Alors, cet amendement ou cette série d'amendements n'ont pas d'autre but, Madame le ministre et chers collègues, que de vous faire revenir sur une discrimination qui est particulièrement choquante eu égard au raisonnement et à ce que vous nous dites depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines et qui est fondée sur l'égalité. Merci. Monsieur Frédéric Reiss, sur l'amendement 654. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense qu'il faut effectivement supprimer l'alinéa 15, parce que dit-il ? Il dit que la loi personnelle d'un époux est écartée en tant qu'elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe. C'est pour moi un problème discriminatoire vis-à-vis des couples hétérosexuels. Et la crainte de générer des flux d'étrangers homosexuels voulant se marier en France pourrait être une dérive du projet de loi qui change la règle du mariage pour les couples de même sexe. Et d'autant plus que, ça a été déjà dit, que l'étude d'impact ne rassure nullement sur cet aspect et bon nombre de mes collègues, donc comme moi, l'ont relevé et nous souhaitons des précisions à ce niveau-là. Merci, monsieur. Madame Anne Gromersch, pour le 1069. Oui, merci, monsieur le Président. Alors, madame la garde des Sceaux, sur ce texte, le gouvernement a voulu aller très vite, passer ce texte dans l'urgence, sans concertation avec les Français. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'étude d'impact importante qui puisse nous éclairer sur l'impact qu'aura effectivement ce changement de règles. Je crois qu'on ne doit pas, au nom de ma principe d'égalité qui est le vôtre, faire tout et n'importe quoi, et qu'il faut savoir parfois prendre le temps de ces études d'impact qui sont absolument indispensables. Quelles vont être les conséquences de ce changement de réglementation ? Vous ne le savez pas, nous ne le savons pas. Quelle est la position des autres pays qui n'adoptent pas les mêmes lois que nous en termes de mariage ? Que va-t-il se passer vis-à-vis d'eux ? N'aurait-il pas mieux fallu prendre un petit peu de temps ? Chers collègues, au lieu de vociférer, prenez la parole, exprimez-vous. Vous êtes en permanence, c'est très désagréable. Si vous avez des choses à dire, prenez le micro, à moins que l'on ne vous ait interdit de prendre la parole. Auquel cas, dites-le. Mais si vous avez le droit de parler, s'il vous plaît, exprimez-vous différemment. Et sur des choses concrètes, ce serait quand même beaucoup plus agréable de pouvoir débattre réellement dans cet hémicycle. Allez. En tout cas, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, j'aimerais beaucoup avoir une réponse de la part de la garde des Sceaux sur effectivement les conséquences réelles de cette décision et je pense que nous devons sans réponse aujourd'hui supprimer effectivement cet alinéa 15. Merci. Je rappelle aux uns et aux autres que nous allons siéger tout samedi et tout dimanche, donc je pense que ça vaut le coup de garder un peu d'énergie pour ce soir et cette nuit, hein. Alors, monsieur Salen, sur l'amendement 1132. Merci, Monsieur le Président. Oui, ça a déjà été dit, seulement 11 pays au monde, seulement 6 pays en Europe ont ouvert le mariage donc aux homosexuels. Ça va donc permettre aujourd'hui à deux futurs époux étrangers de venir se marier chez nous, même si la loi dans leur pays ne permet pas cette union. C'est donc illogique ce que nous proposons ici, et c'est d'autant plus illogique que quelquefois, l'âge pour se marier en France n'est pas le même que dans certains pays. C'est pour toutes ces raisons que nous demandons que cet alinéa 15 soit supprimé. Je crois que c'est de la logique, simplement. Merci. Madame Sophie Dion, sur le 1187. Oui, bonjour, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la garde des Sceaux. Voilà, ça fait effectivement quelques heures que nous passons du temps ensemble, plusieurs jours, des nuits. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes toujours confrontés à ce bloc. D'un côté,
on a l'impression d'être des ringards et de l'autre côté, on a l'impression d'être des progressistes. Alors, je voudrais, au-delà de ce matin à la radio, vous savez de quoi on parle ? Vous savez de quoi on parle ? D'une députée qui finalement, sa seule idée, c'est de dire bah, le nom des écoles maternelles, il faut les changer. Vous avez entendu la réaction des Français ? Vous avez bien entendu ? Ils ont dit que c'était dérisoire. Franchement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dérisoire. Ça n'est pas digne, ça n'est pas conforme à notre vision, à votre vision que vous voudriez avoir de l'intérêt général. Alors c'est vrai, Monsieur le Président, nous allons passer encore quelques heures ensemble et je souhaite qu'en effet on puisse avoir des réponses bien légitimes à nos questions. Alors, il y a ces questions de droit international dont nous n'avons aujourd'hui aucune réponse. La question est effectivement de savoir quel sera le droit applicable aux unions, aux mariages qui seront célébrés, n'a aujourd'hui, à cet instant, aucune réponse. Nous l'avons dit, il y a seulement 6 pays qui reconnaissent le mariage pour des personnes de même sexe. Quelle sera la solution ? Alors, monsieur le rapporteur a dit tout à l'heure, c'est pas grave, on répond pas, c'est pas dans la loi, c'est la jurisprudence. Mais vous pensez que c'est suffisant de répondre que tout va être envoyé au juge alors qu'il est vraiment question de problèmes de droit public, de droit international public et surtout merci. De... Monsieur Guib, sur l'amendement 1210. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais profiter de l'occasion, puisque moi je n'ai pas eu l'occasion hier soir de le faire, de la part de tous les ultramarins qui siègent de ce côté de l'hémicycle et que je représente. Madame la garde des Sceaux, c'est pour vous que je dis cela. Je tenais de la part de gens que je disais, de tous les ultramarins de ce côté de l'hémicycle, vous souhaiter un joyeux anniversaire car je n'ai pas pu le faire hier soir. Voilà. Plus sérieusement. Oui, c'était un message de sympathie, chers amis. Alors un peu d'indulgence. Toujours est-il que je m'inscris dans la même volonté que mes collègues de ce côté. Dans les explications qui ont été faites concernant la suppression de l'article 15, de l'alinéa 15, pardon, de l'article 1er, donc je ne reviendrai pas dessus. Par contre, je prendrai 5 petites secondes, car je m'interroge sur la volonté de mes collègues de gauche. Car je n'ai eu de cesse d'entendre que vous n'avez fait que voter des lois et des dispositifs brillantissimes. Et je m'interroge sur le point, à savoir aujourd'hui pourquoi, plutôt que de revoter des usines à gaz, car vous voyez bien que ce sont des sujets qui divisent, qui nous divisent non seulement nous ici, mais aussi les Français, on ne reviendrait pas améliorer des dispositifs qui existent déjà, dans un premier temps. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Poisson, sur le 1365. Oui, merci, Monsieur le Président. Deux choses. La première, c'est que je ne vois pas très bien l'intention de la rédaction que nous propose aujourd'hui le gouvernement et la Commission. Ou plutôt, je ne vois pas l'intention. Je crois comprendre ce dont il s'agit. Mais pourquoi faudrait-il à tout prix faire en sorte que les couples étrangers soient concernés également par notre loi ? Dans la logique qui est la vôtre, je peux entendre que, puisque nous sommes parti pour l'égalité triomphante et à marche forcée, ben allons-y. On l'a évoqué hier déjà pendant un long moment de la journée. On va continuer sans doute à l'évoquer aujourd'hui. Mais pourquoi aller à ce point à l'encontre du droit international, d'un certain nombre de relations qui nous lient avec d'autres pays, et modifier et prendre la décision nous-mêmes, parfois de manière unilatérale, de modifier des dispositions qui sont importantes et anciennes ? Et deuxièmement, nous avons eu l'occasion aussi de le dire hier, nous voyons bien qu'avec ce projet de loi, il y a un certain nombre de conséquences, au fond, que vous êtes incapable de maîtriser, vous ne pouvez pas dire quelles elles seront, vous ne les avez pas envisagées, et à défaut de les avoir envisagées, vous ne nous avez pas dit la direction que prendraient les décisions que vous prenez une fois qu'elles seront en place. Je pense que sur le plan international, comme c'est le cas sur le plan de l'orientation vers la gestation pour autrui, c'est moins grave ici, bien sûr, mais il y a aussi des répercussions à ce texte et nous voudrions savoir quelles elles sont. Merci. Madame Louvagie, sur l'amendement 1460.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler en premier lieu l'alinéa 14 qui prévoit que l'article 202.1 du Code civil indique, je le cite, « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies pour chacun des époux par sa loi personnelle ». Je crois que nous aurions pu nous arrêter là, puisque là, nous prenions en compte la situation de tous les Français sur un plan d'égalité. Or, l'alinéa 15 ajoute que la loi personnelle est écartée. Je crois que c'est très grave. Cette loi est écartée non pas en fonction d'une situation de fait, mais en fonction de la situation de la personne. Donc là, les Français ne sont plus égaux devant la loi. Et cette situation, c'est une discrimination importante. Et finalement, dans la mesure où vous avez bâti tout votre argumentaire, toute la motivation de ce projet de loi sur l'égalité des Français, je crois que c'est un contre-argumentaire important qui remet en cause finalement le projet de loi tel que vous le présentez. Deuxième point, serions-nous ravis et satisfaits si des pays voisins finalement intervenaient de la sorte en écartant la loi personnelle d'une personne en France suivant des motifs? Je crois que c'est une question que l'on peut se poser à l'égard des pays voisins. Troisième point, cela a été évoqué, et je souhaite que nous puissions avoir une réponse très précise sur l'impact en termes de venue de personnes des pays autres pour se marier en France. Je crois que la question nécessite et mérite une réponse très précise. Merci. Merci, madame. Guillaume Chevrollier, sur l'amendement 1732. Merci, monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues. Aujourd'hui, les règles applicables en matière de conflit des lois dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé veulent que les conditions de fond du mariage soient déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. Le projet de loi sur lequel nous discutons change la règle pour les couples de même sexe. Et comme ça a été dit très bien par mes collègues, ça permet à deux ressortissants étrangers de pouvoir se marier demain en France. L'étude d'impact n'évalue pas la portée de cette évolution de notre droit, et c'est inquiétant, parce que je considère que la France ne peut pas accueillir tous les fiancés du monde. De plus, à la lecture de cette proposition, on voit bien que vous nous rappelez sans cesse que cette loi est une avancée indispensable et que la France est en retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Or, on voit que seulement 11 pays dans le monde, on légalisait le mariage homosexuel. Donc ça relativise le retard de notre pays. Oui, 6 en Europe et un certain nombre d'États ou de villes américaines. Moi, je n'ai jamais considéré l'imitation comme un modèle. Chaque pays a ses lois et ses valeurs. On a tous été éduqués à ne pas imiter les autres, à ne pas singer les autres, mais à faire preuve de réflexion avant de s'engager. Donc je vous invite à la réflexion et à la préservation de notre droit en matière de mariage. Le mariage doit rester l'union d'un homme et d'une femme, qui doit rester la base de notre société, sans PMA, sans GPA. Monsieur Camille de Rocacera, amendement 1800. Oui, merci, monsieur le président. Oui, bien sûr, il faut supprimer cet alinéa, parce qu'il ouvre trop de portes et il prend trop de risques. Le risque, c'est effectivement que des flux migratoires nouveaux s'inscrivent à travers cet alinéa. Mais le risque va encore plus loin, parce que lorsque vous parlez du bien de la personne, quel sera l'avenir de la personne qui n'aura pas respecté sa loi personnelle lorsqu'elle retournera dans son pays? Quel sera l'avenir de cette union? Quelle sera sa légitimité dans le temps, dans la durée, en dehors du territoire national? La deuxième risque, c'est que je ne comprends pas ce qui ferait obstacle maintenant au mariage blanc. Je ne comprends pas ce qui pourrait faire obstacle dans le futur au mariage blanc, puisque le mariage blanc, ce qu'il interdit, c'est parce que c'est un flux migratoire et c'est un mariage déguisé, puisqu'il n'y a pas de projet de procréation. Vous êtes en train de retirer du mariage le rôle de la famille, le projet de procréation, et vous ouvrez toutes les portes à tous les vents. Voilà pourquoi cet alinéa est dangereux. Merci. Monsieur Jacques Lamblin, sur le 1945. Moi, je voudrais dire, monsieur le président, que la sagesse populaire est quelquefois intéressante à exploiter. Vous connaissez la formule « l'enfer est pavé de bonnes intentions ».
Ce texte de loi, il est porté par vous avec une volonté de lutter contre les discriminations, de lutter pour l'égalité et pour la liberté. Nous voyons qu'avec cet alinéa 15, vous créez une discrimination. Nous avons vu, et nous allons encore voir, qu'avec votre volonté de lutter contre l'égalité, vous créez des inégalités, en particulier en direction des enfants. Il y a une inégalité entre des enfants qui ont deux papas, des enfants qui ont deux mamans et des enfants qui ont un papa et une maman. Que vous vouliez ou pas, c'est une inégalité organisée. Ce n'est pas une inégalité subie comme un veuf ou un séparé, c'est une inégalité organisée. Et enfin, la liberté. La liberté, eh bien, vous organisez les choses pour que quelqu'un avec son fric aille acheter un bébé à l'étranger auprès d'une pauvre fille qui a besoin d'argent. Voilà, la liberté des uns, c'est le prix que vous demandez à payer au bénéfice de la liberté de quelques-uns en France. Monsieur André Schneider, sur l'amendement 2024. Merci, Monsieur le Président. De votre silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous sommes une fois de plus au cœur du débat. Et je m'exprimerai beaucoup d'abord sur la forme. Il y a d'un côté ceux qui pensent avoir le droit et tout pour eux, et les autres sont évidemment fautifs de tout et sont pas bons. Il faut arrêter. Alors, mes chers collègues, simplement trois mots sur cet amendement. L'article 15, l'alinéa 15 n'est franchement pas au point. Alors pourquoi diantre voulez-vous toujours imposer quelque chose et au besoin dans l'invective, alors que là, il y a trop d'imprécisions. Vous défendez le mariage pour tous. On est venu vers vous hier longuement en vous proposant l'alliance civile. Vous parliez de symboles. Dans le mot alliance, il y a des symboles. Vous n'en voulez pas. C'est votre droit. Vous êtes majoritaire, donc vous aurez raison. Vous nous l'avez dit, il fut un temps que vous étiez numériquement majoritaire, donc vous aviez politiquement raison. C'est des choses qui arrivent. Nous étions dans votre cas. Deuxième chose, ici, on se bat contre les discriminations. Je crois tous, on est unanime pour qu'on se batte contre les discriminations qui touchent ceux qui sont homosexuels. Alors, franchement, là, vous introduisez une discrimination envers d'autres gens pour essayer d'en régler une. Alors, franchement, mes chers collègues, la sagesse parlementaire dont je parlais hier soir et qui devrait nous animer tous, nous amènerait à retirer cet alinéa et au minimum de le retravailler. Merci, Monsieur Thérault. Rappel au règlement. Il y a un vrai. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais je ne fais que rarement des rappels au règlement. Celui-ci, c'est un vrai, fondé donc sur l'article 58.4 et qui tient au bon déroulement de nos travaux. Comme l'Assemblée peut le constater, il y a un certain nombre de questions tout à fait pertinentes qui sont posées par l'opposition concernant l'impact de ces mesures, notamment sur le risque migratoire. Et je crois que nous ne pouvons pas aller plus avant dans la discussion sans entendre à ce sujet le principal ministre concerné, qui est le ministre de l'Intérieur, M. Valls. Et donc, je forme le vœu, M. le Président, que vous usiez de votre pouvoir pour faire venir le ministre de l'Intérieur et qu'en attendant, nous suspendions nos travaux. Je vous en remercie. Comme vous le voyez, c'est un vrai rappel au règlement. Merci beaucoup. Amendement 2255, Monsieur Pierre Lequillier. J'ai donné la parole à Monsieur Lequillier. Oui, Monsieur le Président, je crois que c'est vrai que l'étude d'impact sur ce problème ne nous permet pas d'apprécier les conséquences physiques, financières de cet alinéa 15. Nous ne sommes pas d'accord avec votre texte, mais nous avons besoin quand même d'avoir les précisions que nous n'avons pas. Et je souhaiterais que
le rapporteur, Madame la garde des Sceaux, vous nous donniez plus de précisions que ce que nous avons eu jusqu'ici, parce que nous ne pouvons évidemment pas prendre de décision objective dans la précipitation comme vous le faites. Je voudrais poser une autre question d'ailleurs en matière de conséquences. C'est sur l'adoption internationale. Parce que je voudrais dire que le seul fait que nous adoptions, que vous adoptiez le texte que vous proposez, on le sait, va avoir des conséquences sur la capacité d'adopter sur le plan international. Il y a des pays qui refusent, le mariage homosexuel, qui vont refuser que les enfants puissent être adoptés, les enfants de leur nationalité puissent être adoptés. C'est-à-dire qu'on va baisser la capacité d'adoption que les couples hétérosexuels ont actuellement. Il y a environ 2000 enfants qui... mais je voudrais savoir si, en accentuant encore avec cet alinéa 15, on ne va pas contribuer encore à faire plus baisser la capacité d'adoption de nos concitoyens. Merci. La parole est à M. Georges Fenech sur l'amendement 2256. Oui, Monsieur le Président, sans vouloir allonger les débats, je voudrais savoir, comme mes collègues de l'opposition, Madame la Ministre, comment vous justifiez cette discrimination flagrante entre couples homosexuels étrangers et couples hétérosexuels étrangers sur notre sol? C'est une question évidente qui sera d'ailleurs nécessairement soumise à un moment ou à un autre au Conseil constitutionnel. Donc il est important que dans ces débats soit retranscrit votre justification de cette discrimination. D'autre part, je m'interroge, mais au nom de quelle légitimité internationale pourriez-vous prétendre imposer au reste du monde votre vision du mariage, de la famille et de la filiation? Est-ce que vous prétendez à un universalisme de votre vision sur ces questions fondamentales du droit des personnes? Et quelles sont les réponses que vous pouvez nous apporter sur les conséquences d'une complexité juridique invraisemblable sur est-ce que tel et tel État donnera son exéquature à ce mariage? Quelles seront les conséquences pour les enfants, les successions, les droits de secours? Quelles sont les conséquences sur les conventions internationales, sur les conventions bilatérales? On est là face, me semble-t-il, à un bricolage juridique international qui mérite que vous nous expliquiez. Merci. Monsieur Charles de la Verpillière, amendement 2347. Nous prendrons le rappel au règlement après. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cet article 1er, ou plutôt l'alinéa 15 de l'article 1er, montre bien, s'il en était besoin, l'incohérence totale du gouvernement et de sa majorité. En effet, depuis le début de ce débat, vous nous expliquez que votre objectif, c'est de créer une égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Mais avec cet alinéa 15 de l'article 1er, eh bien, on voit bien que ça n'est qu'un slogan, qu'un faux-semblant. Parce que, au contraire, vous vous empressez de recréer artificiellement une inégalité de plus entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. En effet, aujourd'hui, les règles applicables en matière de conflit de loi dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé veulent que les conditions de fond du mariage, par exemple en matière d'âge, soient déterminées par la loi personnelle de chacun des époux, donc la loi du pays d'origine. Or, l'alinéa 15 de l'article 1er change la règle pour les couples de même sexe et uniquement pour eux. Un Français pourra se marier avec un ressortissant étranger du même sexe ou bien deux ressortissants étrangers pourront se marier en France, même dans le cas où la loi personnelle d'un ou des futurs époux ne reconnaîtrait pas la validité de telles unions. Alors, on voit bien ce que vous faites. Vous créez une discrimination au regard de la possibilité de se marier entre les couples homosexuels. Merci. Et les couples... Monsieur Gosselin, pour un rappel au règlement.
Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Fondé sur l'article 58, donc le déroulement de nos débats. Depuis une demi-heure maintenant, on évoque à de nombreuses reprises, bien évidemment, c'est le cœur de cet amendement, on évoque la place du droit international, des conventions internationales, d'accords bilatéraux, et tous nous soulevons la grande indigence sur ce point de l'étude d'impact. On n'est pas dans le cœur du projet politique. On a suffisamment, et on y reviendra évidemment dans d'autres séances, combattu le projet politique lui-même et le choix de société qui est imposé ici. Mais là, il s'agit du droit. Et sur toutes ces questions de droit, moi je trouve que nous n'avançons pas et reprenant l'idée de notre collègue qui vous propose, Monsieur le Président, d'inviter à nos travaux le ministre de l'Intérieur, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères que nous aurions à ce stade besoin d'entendre pour éclairer ou le Premier ministre. Alors, il est au Mali, Monsieur Touré. Allez, allez. Alors, s'il est au Mali, je propose peut-être qu'on suspende nos travaux pour attendre son retour du Mali, parce qu'évidemment, il me paraît important que le ministre des Affaires étrangères soit au Mali aujourd'hui, mais nous attendrons demain. Peut-être pourrions-nous suspendre Merci, maintenant Monsieur et Gosselin. Attendre demain. J'apprécie beaucoup votre volonté d'amuser l'Assemblée. Allez, Monsieur Jean-Claude Boucher, sur l'amendement 2567. Monsieur le Président, Madame le Ministre, nous débattons depuis quelques jours maintenant et encore pour quelques jours sur l'ouverture du projet de loi pour le mariage pour tous. Ce matin, nous débattons sur une transgression, je dirais, une ouverture de ce mariage pour tous. Pour les étrangers, cela permettra à certains de détourner la loi de leur pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une erreur stratégique. Nous sommes sur un détournement, je dirais, du principe de la loi que vous voulez voter majoritairement, sur laquelle nous sommes contre, bien sûr. Donc, moi, je souhaiterais, bien sûr, que cet alinéa soit supprimé. C'est l'objet de mon amendement. Et je souhaiterais qu'il y ait une mesure d'impact un peu plus précise. Pourquoi ? Aujourd'hui, en tant que maire notamment, nous sommes soumis à des mariages qui, par moments, peuvent être douteux à l'heure actuelle. Les mariages blancs, cela a été dit. Nous sommes soumis également à des problèmes, par moments, de regroupements familiaux également qui peuvent être douteux. Je ne voudrais pas que cet alinéa 15 ce matin permette également de généraliser cela. Donc, il y a des flux migratoires qui sont derrière tout cela. Je souhaiterais, par mon amendement, qu'il y ait une suppression de cet alinéa 15. Merci. Madame Zimmermann, pour un rappel au règlement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux dire, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui est dit dans cet hémicycle et je suis quand même un petit peu surprise aujourd'hui. Comme je l'avais dit dans mon intervention l'autre soir, dans la discussion générale, je crois qu'il y a 6 pays de la communauté européenne qui ont adopté cette loi sur Zimmermann, le mariage. Là, vous êtes en train de détourner la procédure. Mais pas du tout. C'est pas un rappel laissez-moi au règlement aller jusqu'au sur le déroulement bout de la laissez-moi aller jusqu'au bout. Et je vais vous dire, mon collègue, et je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on est quand même au cœur d'une question que l'on ne retrouve pas dans l'étude d'impact. C'est, je dirais, le fait que, faisant partie de la communauté européenne, nous avons aujourd'hui quand même un devoir. Non, mais c'est une intervention, Madame Zimmermann. Mais pas ça du tout. Mais la laissez-moi séance. Aller jusqu'au bout. Ah. Mais ne m'interrompez pas. Nous devons avoir. Je comprends. S'il vous plaît. Mais vous êtes en train de perdre. S'il vous plaît. Vous êtes en train de perdre du temps. Excusez-moi. Je souhaiterais dans la ligne de mes collègues qui ont demandé l'avis que je ne retrouve pas dans l'étude d'impact, l'avis et du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères, je souhaiterais tout simplement que dans cette étude d'impact, on y voit également et on puisse entendre simplement le ministre des Affaires européennes. Bon, très bien. Je crois qu'il n'est pas au Mali, donc il est tout à fait Merci, madame. Possible que... Monsieur Breton, 3257. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a deux types d'amendements. Il y a des amendements de fond
qui permettent d'exprimer nos conceptions et la divergence de nos conceptions. Et puis, il y a des amendements qui sont plus techniques. Celui qui nous est présenté est un amendement plus technique et j'espère que la réponse et du gouvernement et de la majorité leur permettra de sortir de leur aveuglement idéologique et que nous puissions aller sur, effectivement, des points plus techniques sur lesquels nous allons pouvoir nous retrouver. Qu'est-ce que cet amendement de suppression de l'alinéa 15, article 1er, souligne ? Il souligne deux caractères du texte. Premièrement, son impréparation et deuxièmement, sa prétention. Son impréparation, tout d'abord. On l'a dit, aucune étude d'impact sérieuse n'a été faite sur ce texte. Nous l'avons entendu également au cours des auditions. Combien d'autorités indépendantes, à commencer par le défenseur des droits, des autorités administratives, des autorités professionnelles, notamment les professions juridiques, ont alerté sur la méthode du passage en force en disant « ce texte n'est pas pensé jusqu'au bout ». Il y a un manque criant d'évaluation, il y a un texte qui est vraiment complètement mal préparé. Le deuxième point, c'est un texte prétentieux, parce qu'effectivement, vous êtes convaincus de détenir la vérité. J'ai entendu hier que vous revendiquiez d'être le camp du progrès. Eh bien, sincèrement, je crois, oui, il faut s'interroger. Qu'il y ait sur telle ou telle mesure une volonté du progrès, c'est une chose, mais se déterminer comme étant le camp du progrès et que vous approuviez cette expression, eh bien, je crois que vous devriez faire un effort de modestie, d'humilité et de relire un peu l'histoire. Alors, cette arrogance, vous l'imposez non seulement aux Françaises et aux Français, dont une majorité est contre l'adoption et la filiation par les couples de personnes de même sexe, mais en plus, vous l'imposez au monde. Vous prétendez être la lumière du monde au risque de dégrader la qualité des relations de notre pays avec les autres pays du monde. Merci. Monsieur le Président Jacob, pour un rappel au règlement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bon, plusieurs de nos collègues, à juste titre, ont demandé la présence d'autres ministres qui pourraient être concernés directement par le sujet, que ce soit celui de l'Intérieur, des Affaires étrangères ou des Affaires européennes. J'ai cru comprendre que ça pouvait causer quelques difficultés, mais attendez, mais je mesure tout cela parfaitement. Mais en revanche, je pense, Monsieur le Président, qu'il faudrait qu'on puisse avoir une suspension de séance qui pourrait permettre à Madame la Ministre de prendre contact avec ses collègues du gouvernement, qu'elle nous en fasse état au retour de la suspension de séance. Et je pense aussi que pour la sérénité de nos débats, ce serait beaucoup mieux. Je vous demande donc une suspension de séance, Monsieur le Président, pour réunir mon groupe. La séance est suspendue pour une minute. À Madame Bérangère Poletti sur l'amendement 3292. Merci, Monsieur le Président. La suspension de séance était un petit peu juste pour nous permettre de joindre le ministre de l'Intérieur. Je le regrette. J'espère que nous pourrons organiser dans la journée les choses différemment. Monsieur le Président, les conditions du mariage en France sont basées sur la loi personnelle. C'est la loi personnelle qui prévaut. Aujourd'hui, Madame la Ministre, par votre texte, vous créez une discrimination, avec une étude d'impact d'ailleurs très insuffisante. Et je m'étonne, Monsieur le Président, qu'avec une telle étude d'impact, nous n'ayons pas une réaction de la part de nos collègues qui nous permettent d'être tous ensemble éclairés. Moi, j'ai connu des collègues de gauche beaucoup plus présents sur les textes. Je suis effarée de les voir aujourd'hui aussi silencieux, aussi peu questionneurs, aussi peu curieux des choses. Vous étiez pinailleurs, vous n'arrêtiez pas de demander sans arrêt des explications au ministre. Et aujourd'hui, on ne vous entend pas, on a dû vous demander de vous taire. Donc, Madame la Ministre, je vous demande de nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous avez organisé une telle discrimination? Où s'arrête cette discrimination? Et qu'en est-il pour les couples hétérosexuels? Merci. Monsieur Bernard Perru, sur l'amendement 3579. Monsieur Perru a la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire à Madame la Ministre et à nos collègues de la majorité que je regrette qu'hier nous n'ayons pas pu trouver ensemble une solution équilibrée à travers ce projet d'alliance civile que nous vous avons proposé, parce qu'il permettrait aujourd'hui d'apaiser le débat en France
et d'avoir une solution équilibrée, attentive à la fois aux attentes des couples homosexuels et à ceux qui sont attachés au mariage en ce qu'il unit un homme et une femme dans le but d'avoir des enfants. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, cet alinéa 15, effectivement, crée des discriminations. Vous voulez aller beaucoup plus loin que de donner un sens à cette réforme dans notre pays, mais faire en sorte aussi que l'Europe et que le monde entier, eh bien, puisse bénéficier de ces règles sur le mariage homosexuel. Mes collègues l'ont rappelé, simplement 11 pays au monde, 6 pays en Europe aujourd'hui sont allés dans ce sens-là, et vous voulez aussi, en quelque sorte, eh bien, engager une immense dérogation et faire en sorte qu'aujourd'hui un Français puisse se marier avec un ressortissant étranger du même sexe, ou bien deux ressortissants étrangers puissent se marier en France, même dans le cas où la loi personnelle, oui, la loi personnelle d'un ou des futurs époux ne reconnaîtrait pas la validité de telles unions. À mon sens, cela va à l'encontre du respect des autres pays, de ces pays qui sont attachés à leurs propres valeurs, à leur propre conception du droit, et par conséquent, nous ne pouvons que nous opposer, je crois très clairement, à cet alinéa 15 de l'article 1er. Merci. Madame Arlette Grosse-Cosse, sur l'amendement 3694. Quand j'aurai fini, les intervenants sur cet article. Mais justement, vous l'avez eu tout à l'heure. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, à l'instar de mon collègue précédent, moi... Allez. Non, Monsieur Mariton, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas employer cette expression de pas correct compte tenu des 96 rappels au règlement qui ont été acceptés depuis le début de la séance... Et compte tenu du nombre de rappels qui viennent de vous, vous ne pouvez pas employer l'expression « ce n'est pas correct ». Madame Grosse-Cosse, vous avez la parole. Allez. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres. Mes chers collègues, à l'instar de ce qui vient d'être dit par mon collègue précédent, force est de constater que vous n'avez de cesse de faire comprendre que la loi doit suivre les évolutions sociétales. Vous placez vos idées en valeur universelle. Vous les imposez aux autres pays. C'est là votre credo. Et vous défendez toujours et encore le primat de l'individuel sur le groupe. Mais vous conviendrez qu'une autre réflexion puisse exister, celle qui évite de heurter certaines consciences, celle qui privilégie le lien social, la cohésion sociale, dans un climat de délitement sociétal. Donc, évidemment, je me joins à mes collègues pour le rejet de cet amendement, pour notre amendement. Merci. Merci. Madame Marie-Louise Faure, sur l'amendement 3981. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis frappée depuis le début de cette discussion de regarder nos collègues en face. Je vois des physionomies fermées. Et oui, fermées quand on parle de choses qui vous dérangent. Et tout d'un coup... Tous ensemble, vous vous lancez dans des rires, des ricanements qui sont indignes d'une grande démocratie. On a demandé à entendre M. Valls, il ne me semblait pas que c'était incongru, et je pense que l'alinéa 15 pose ce problème-là. Alors vous vous gargarisez d'égalité, égalité. Vous êtes heureuse de votre image de mariage pour tous. En réalité, cet alinéa est en train de créer une discrimination avec les hétérosexuels. Et moi, je veux reconnaître les amours homosexuels, mais aussi, vous me le permettrez, les amours hétérosexuels. Et je voudrais vous poser une question. Quid du divorce quand deux personnes étrangères attirées par notre pays pour cette loi du mariage homosexuel voudront divorcer de retour dans leur pays? On fait quoi? Alors je voudrais, Madame le garde des Sceaux, que vous me répondiez. Et puis pour terminer sur une note plus légère, je me réjouis, mon collègue Gosselin a parlé de Las Vegas pour le divorce, moi je me réjouis que vous ayez trouvé une autre forme pour attirer les étrangers ici pour se marier, puisqu'à Tours, les Chinois ne veulent plus s'y marier. Merci. Madame Geneviève Lévy, sur le 4787. S'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues. Moi, je pense qu'on ne dira jamais assez l'importance et la gravité des conséquences de ce projet.
conséquences qui, de toute évidence, n'ont pas été analysées. L'étude d'impact ne répond pas aux questions que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui, ici, dans l'hémicycle, et que je sache, le rôle, justement, de l'étude d'impact, c'est de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une vision la plus large possible sur les conséquences d'un texte que nous étudions. On le sait, l'adoption et le mariage ne sont pas ouverts aux personnes du même sexe dans la majeure partie des pays de ce monde. Or, le texte, aujourd'hui, ouvre le mariage non seulement aux personnes de nationalité française, mais j'ai terminé, Monsieur le Président, mais encore aux étrangers, avec un risque de conflit de loi. Et notre collègue Le Cuillet a évoqué la question de l'adoption, et je termine, Monsieur le Président, en vous disant que je partage pleinement son analyse. Certains États pourraient finalement très facilement refuser de placer leurs enfants sous l'empire du droit français. Merci. Sur le vote de l'amendement 298 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et monsieur le rapporteur, vous avez la parole sur ces amendements identiques. Monsieur le Président. Deux arguments ont été développés à l'occasion de cet article qui inscrit cette règle de conflit de loi absolument nécessaire dans le projet de loi ouvrant le mariage de couples de même sexe. Deux arguments sur les discriminations et là je reprends les termes de vos motifs, les flux migratoires, les risques de flux migratoires et de tourisme nuptial. Je dois avouer que je suis moins expert que vous en matière de tourisme nuptial puisque, mesdames et messieurs qui siégez sur la droite de l'Assemblée nationale, c'est vous qui l'avez intégré dans notre droit, le tourisme nuptial, dans la loi Lodéom en mai 2009, puisqu'en Polynésie, le tourisme nuptial est autorisé, et c'est vous qui avez créé le tourisme nuptial dans notre droit français. Je veux quand même vous rassurer sur le fait que la loi, le conflit de loi, ne concerne que les conditions de fond au mariage, qui s'attachent aux personnes, et pas les conditions de forme. Et comme vous le savez, les conditions de forme, pour les Français comme vous, les étrangers, oblige, parmi d'autres, à des conditions, mais... Vous pouvez m'écouter, M. de la Verpillière. Les conditions de forme obligent à une résidence sur notre territoire, pour les Français, évidemment, et pour les étrangers. Donc, il n'y a pas de risque de flux migratoire, en aucune façon. Sur les discriminations, il ne peut pas y avoir de discrimination entre les couples hétéros et les couples homosexuels. C'est un non-sujet, tout simplement parce que la loi personnelle, et c'est une évidence, la loi personnelle ne s'oppose pas au mariage des couples hétérosexuels. Donc il n'y a pas de discrimination entre les couples. En revanche, si nous n'adoptions pas cette mesure, là il y aurait discrimination. Parce qu'un Français pourrait se marier avec une étrangère, et il ne pourrait pas se marier avec un étranger dont la loi personnelle s'opposerait au mariage de couple de même sexe. Et il y aurait là une inégalité, une discrimination. Il faut donc adopter cette mesure, la maintenir dans le texte. Et la Commission a donné un avis défavorable à cette série de 109 amendements. Avis du gouvernement, pardon. S'il vous plaît. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement va donc répondre aux questions qui ont été posées. Alors, vous avez été plusieurs à exprimer une crainte de flux migratoire, massif même, a-t-on entendu. On ne peut pas être plus massif que ça, me semblait-il, parce que tous les fiancés du monde, étant donné que ça marche à deux sur 7 milliards d'habitants, ça en fait quand même quelques-uns. Mais la formule était de vous. Alors, sur les risques migratoires, vous l'avez dit à plusieurs reprises vous-même qu'il y a quelques pays européens qui ont déjà ouvert le mariage et l'adoption aux couples de... Oui, quelques-uns, mais
Moi, je n'évoque pas les pays européens comme référence pour légiférer ici. Nous regardons ce qui se passe ailleurs. Non, mais le droit français, s'inspire de son histoire, de ses traditions, de ses valeurs, de ses idéaux, de la connaissance et de la curiosité qu'il a sur le monde. Il s'inspire, il choisit. C'est tout. Et ça n'est pas d'aujourd'hui. Et il a même, au-delà de s'inspirer, il a plutôt une tendance lourde. Et lourd n'est pas dans le sens de pesant, mais dans le sens de continuité. Il a plutôt une tendance lourde dans le temps à proposer aux autres. Ah, n'est-ce pas ? Donc, nous n'en sommes pas là. Sur les risques migratoires, je disais donc qu'il y a des pays européens qui ont adopté un texte équivalent il y a plusieurs années, qui ont donc célébré des mariages depuis plusieurs années. Je vous informe que ces pays européens ont adopté, comme la France, ces dispositions internationales sur le droit international privé concernant la dérogation à l'application de la loi personnelle. Et jusqu'à vos interrogations de ce matin, personne ne s'est inquiété d'une invasion ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni en Espagne, tout simplement parce que cette dérogation n'a provoqué aucune invasion. Ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, les conditions de droit commun concernant la résidence valent aussi bien pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels. Ça limite un peu le tourisme nuptial de personnes qui résideraient dans des hôtels, en général plutôt probablement de grands hôtels, probablement sans résidence. Mais nous sommes là dans des spéculations qui ne présentent aucun intérêt. Donc dans ces pays-là, cette dérogation à la loi personnelle n'a provoqué aucun afflux migratoire. Je pense par ailleurs que le travail dissimulé, la complaisance, la connivence, la complicité entre des chefs d'entreprise et des passeurs provoque des flux migratoires plus importants que cette dérogation à la loi personnelle. Et qu'il serait bien que vous vous en inquiétiez. Ce que vous êtes quand même assez largement privé de faire ces 10 dernières années. J'entends volontiers une interrogation sur des discriminations entre couples hétérosexuels et couples homosexuels. Et monsieur Hervé Mariton, vous nous dites que vous avez été alerté par d'éminents professionnels qui vous ont fait voir ce risque de discrimination entre couples hétérosexuels et couples homosexuels. Sauf qu'il n'y en a pas pour les couples hétérosexuels, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dérogation à la loi personnelle pour les couples hétérosexuels, parce que dans la plupart des démocraties du monde, le mariage hétérosexuel est juste dans le droit. Alors, pour ce qui concerne les couples homosexuels, la dérogation à la loi personnelle veut dire que le droit français va s'appliquer, et reconnaissant quand même que pour les libertés, le droit français est protecteur, et que le droit français qui s'applique va dire que, en dérogation de la loi personnelle, les conditions d'âge ne doivent pas permettre un mariage en deçà de 18 ans. Nous devrions nous en réjouir. Le droit français, par dérogation de l'application de la loi personnelle, indiquerait par exemple que le consentement est obligatoire. Ça nous change du mariage forcé. Donc je crois que nous avons toutes les raisons de nous réjouir que nous ayons pensé à introduire cette disposition dans notre texte. Je rappelle à nouveau que les conditions de résidence sont impératives. Vous prétendez que nous aurions de l'arrogance à imposer au reste du monde notre vision des choses et notre droit. C'est ignorer totalement la hiérarchie des normes. Que l'on écrive dans la loi ou pas,
les traités internationaux, les conventions internationales, les conventions multilatérales ou bilatérales s'imposent au droit interne, s'imposent. Donc il est absolument impossible, ni comme vous prétendez d'imposer au reste du monde, ni comme l'un d'entre vous l'a dit, d'introduire unilatéralement une modification dans les traités internationaux. C'est juste impossible du point de vue du droit. C'est juste impossible. Par conséquent, il n'y a là aucune modification, aucune remise en cause. Il existe exactement 13 conventions bilatérales. Il existe exactement 13 conventions bilatérales qui précisent qu'il ne peut y avoir dérogation à la loi personnelle et indépendamment des dispositions inscrites dans notre droit, ces 13 conventions internationales vont s'imposer et par conséquent, pour ces ressortissants-là, la dérogation à la loi personnelle ne pourra pas fonctionner. Je dois vous avouer qu'en vous écoutant, il m'est revenu une très belle pensée de René Char qui disait « Imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique manie de faire des nœuds. » Ah. Bien, on va essayer. Monsieur Mariton, pour répondre à la commission ou au gouvernement. Allez, s'il vous plaît. Une première observation que je vous adresse, Monsieur le Président. Tout à l'heure, quand le président de notre groupe vous a demandé une suspension de séance, c'était la première de la journée. Vous l'avez généreusement accordée pour une minute sur place. Je ne suis pas sûr qu'il soit fréquent. Il y a peut-être des précédents, mais je pense qu'il n'est pas fréquent et je ne pense pas heureux pour le déroulement de nos travaux que la toute première demande de la journée ait cette réponse. Vous avez refusé d'autres demandes de suspension. Donc, je crois qu'elles sont de... Monsieur Mariton, depuis le début de nos travaux, il y a eu 17 suspensions de séance. Pas énorme. Et je pense qu'il est bon que l'on ait un minimum de cohérence. Nous étions à 3 interventions de la fin de l'examen des 103 amendements identiques. Je pense qu'il était bon qu'on aille au bout de cette discussion et qu'après le vote, on puisse avoir 5 minutes de suspension pour que les uns et les autres puissent reprendre leurs esprits. Par ailleurs, je pense, Monsieur le Président, que les demandes de suspension sont de droit. Et donc, je ne sais pas sur quelle base vous les refusez. Mais vous l'avez eu ? Les bases du règlement, Monsieur le Président, qui, je pense, nous engage tous. Sur ce sujet, moi, ce qui me frappe, Madame le Ministre, c'est en effet qu'il y a un problème de nœud. C'est que dans les propos que nous avons entendus, il y a une contradiction évidente, des contradictions évidentes entre le gouvernement et le rapporteur. Le rapporteur nous dit qu'il n'y a aucune conséquence migratoire. Au moins, vous, Madame le Ministre, vous acceptez de rentrer dans le sujet. Et vous dites que les conséquences ne seront pas considérables. C'est d'ailleurs aussi ce que vous aviez dit réunion de commission. Mais vous ne contestez pas qu'il puisse y avoir un effet. Et le problème, c'est que nous n'avons aucune évaluation sérieuse de cela. Mais voilà, premier nœud, le rapporteur dit une chose, la ministre dit différemment. L'Assemblée va demander comment elle est éclairée. Par ailleurs, s'agissant de la rédaction de cet alinéa 15, tout cela était aussi limpide, je ne comprends pas pourquoi il y a la rédaction du gouvernement qui a sa cohérence et la rédaction de la commission qui est significativement différente. Deuxième contradiction. Et je vous redis que ce qui est absolument invraisemblable dans cet article, ce sont les carences de l'étude d'impact. C'est l'absence de réponse solide que vous nous faites dans l'évaluation. Je vous repose la question. L'évaluation financière pour les finances publiques, pour les finances sociales, une appréhension numérique du sujet. Le rapporteur dit, il n'y a rien à voir, on passe, silence. Le gouvernement, de manière plus intelligente, je pense, dit, il y a un sujet, mais vous avouez... Je donne un compliment au gouvernement, vous pourriez le partager. Et le gouvernement comptez. Dit, il y a un sujet, mais on n'est pas capable de l'évaluer. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse imaginer ne pas présenter notre amendement et aller dans votre sens? Notre amendement est indispensable. Je dirais qu'au-delà des clivages majorité-opposition, c'est un amendement de salubrité publique pour faire en sorte que la loi que nous votions soit une loi cohérente, claire et sur laquelle le Parlement puisse se prononcer de manière rationnelle. Merci. Madame Marie-Anne Chapdelaine,
Monsieur le Président, moi je voudrais bien revenir sur une phrase qui a été dite et qui m'a choquée. La France ne peut pas accueillir tous les financiers du monde. Mais de quoi avez-vous peur? De hordes de financiers venant nous envahir? Allons, soyons raisonnables. Il s'agit juste de permettre à des personnes qui, pour certaines, ne l'oublions pas, sont persécutées dans leur pays du fait de leur orientation sexuelle. Et dans ces cas-là, vous serez les premiers à les défendre, sauf qu'ils seront ailleurs, on ne les verra pas. Mais alors, laissons-les tout simplement se marier. Et puis, moi, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui se passait sous le précédent gouvernement. Quand des enfants étaient en centre de rétention, derrière des barbelés, et ne me dites pas que ça n'existait pas, il y en a un à côté de ma ville. Eh bien là, le droit des enfants, ah ça, ça ne vous choquait pas. Pas du tout. Et là, les droits de l'homme, vous n'étiez pas là pour les réclamer. Et que suffisait-il de faire? Eh bien, tout simplement de faire ce que M. Manuel Valls a fait, il a assigné les parents à résidence. Ce qui n'a rien changé pour les parents, mais il les a juste assignés à résidence dans un hôtel. Alors là, qui défend le droit des enfants? Depuis le début, vous êtes en train de nous dire « le droit des enfants, c'est nous, le droit des enfants, c'est nous ». Mais qui a défendu le droit de ces enfants-là? Ou bien alors y a-t-il des bons ou des mauvais enfants, des bons ou des mauvais homosexuels? Eh bien, moi, je vous le dis, je suis fière de cet amendement qui permettra à des personnes qui sont persécutées, rappelons-le, l'homosexualité est encore un délit dans certains pays, de pouvoir se marier. Merci. Monsieur Fasquelle. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais simplement vous donner lecture de quelques extraits d'une étude qui a été faite par un professeur de droit, Hugues Fulchiron de Lyon 3, qui va vous prouver qu'en réalité, les critiques que nous portons dans cet hémicycle, y compris au plan technique, ce sont des critiques qui sont partagées par beaucoup qui n'ont pas d'engagement politique. Il dit « Cette règle qui serait applicable aussi bien à la célébration en France d'un mariage entre personnes de même sexe qu'à la reconnaissance en France des unions célébrées à l'étranger pose autant de problèmes qu'elle en résout. Elle risque surtout de multiplier les mariages boiteux. » Voilà ce que disent les universitaires qui s'intéressent à votre texte. Et il ajoute une des principales critiques que l'on peut faire à l'article. Mais écoutez... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Roman. Dès qu'on apporte une objection à vos positions, immédiatement vous vociférez. Mais prenez la parole, monsieur Roman, plutôt que de, en permanence, nous invectiver comme vous le faites. C'est quand même pas digne, surtout quand on est questeur. Bon. Alors, une des principales critiques que l'on peut faire à l'article... C'est impossible, Monsieur le Président. Une des principales critiques que l'on peut faire à l'article 202-1, tel que proposé de vouloir traiter par une seule règle deux questions différentes, celle de la célébration du mariage par une autorité française et celle de la reconnaissance en France des mariages célébrés à l'étranger. Et il ajoute, par ailleurs, on peut s'interroger sur l'opportunité d'édicter une règle spécifique pour le mariage entre personnes de même sexe et surtout de faire intervenir directement ou indirectement l'ordre public pour en assurer la validité. Alors, il conclut, la solution passe-t-elle par une harmonisation au niveau européen? On souhaitait avoir ce débat, et notamment que le ministre des Affaires européennes vienne ici, et vous voyez que c'est tout à fait opportun, des règles de compétences législatives et surtout de reconnaissance. Encore faudrait-il que les États s'abstiennent d'ici là de tout dumping législatif, on a cessé d'en parler, tendant à imposer aux autres États leurs choix législatifs en matière familiale. Ne peut en résulter qu'incertitude pour les couples et insécurité pour les tiers quant aux enfants, puisque vous voulez parler des enfants, trois petits points. Donc on le voit bien, vous êtes définitivement fâché avec les règles de droit international privé, qu'il s'agisse de la circulaire sur la gestation pour autrui ou de cette disposition. Merci, merci. La parole est à Marie-Georges Buffet. Oui, chers collègues, pendant 5 ans, vous avez tenu un discours sur les flux migratoires, la peur des immigrés. Vous nous avez parlé mariage blanc, puis mariage gris, pour mettre la suspicion sur des hommes et des femmes qui s'aimaient, même s'ils n'étaient pas de la même origine, du même pays. Et aujourd'hui, vous nous parlez du tourisme du mariage, du tourisme conjugal. Vous nous expliquez qu'on ne peut pas accueillir tous les fiancés du monde. C'est-à-dire qu'à la peur de l'étranger, vous ajoutez la peur de l'homosexuel étranger. C'est très inquiétant que vous puissiez tenir de pareils discours. Madame la ministre, avec beaucoup de force, vous a répondu en prenant l'exemple des pays qui ont déjà
ouvert cette liberté au mariage et qui n'ont pas connu de flux migratoires. Mais au-delà de ça, est-ce que vous ne pourriez pas prendre les choses dans l'autre sens et se dire que c'est formidable que notre pays, la France, à travers cette loi, donne à voir de par le monde, de sa conception de la liberté et de l'égalité? Ne pouvez-vous pas penser un instant que le vote de cette loi, que le fait que des hommes ou des femmes se marient venus d'ailleurs, va donner à voir de par le monde qu'on peut vivre autrement que dans la répression, que dans le harcèlement des personnes homosexuelles? La France peut rayonner comme elle l'a fait sur d'autres sujets concernant la liberté et l'égalité. Prenez cette chance entre les mains au lieu de nous faire peur. Merci, Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, je voudrais rebondir sur l'intervention de notre rapporteur qui parlait de tourisme nuptial en Polynésie française. Et je pense que c'est aussi le cas en Nouvelle-Calédonie, comme d'autres collectivités d'outre-mer, où nous sommes, entre guillemets, victimes d'une demande forte de couples de Japonais et d'Asiatiques qui souhaiteraient en effet se marier les pieds dans l'eau. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en effet, nous avons... Attendez. Je ne sais pas si les hétéros sont intéressés par la question. Mais ceci dit, il est vrai qu'il a fallu adapter les conditions de mariage pour ces personnes, parce que pour la Polynésie, comme pour d'autres collectivités, c'est un problème économique, naturellement. Le problème du tourisme, c'est la première activité de nos territoires. Mais ceci dit, c'est vraisemblablement, et c'est peut-être l'intérêt de la discussion que nous avons aujourd'hui, c'est la rigidité de notre droit qui fait en effet que nous sommes obligés, en Polynésie comme ailleurs, d'adapter notre droit pour que ces personnes... Pourquoi, à ce moment-là, ne pas créer... nous avons parlé de l'alliance civile, nous avons parlé d'union civile. Pourquoi ne pas créer quelque chose de spécifique? Puisque ces personnes qui viennent chez nous ne viennent pas pour pouvoir bénéficier des devoirs, des droits français, mais réellement pour des raisons autres, touristiques par exemple. Voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse et que l'on regarde ensemble. Merci. Merci, Monsieur Ollier. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai entendu avec d'ailleurs beaucoup de talent Madame Chapdelaine, Madame Buffet faire des envolées politiques avec beaucoup de lyrisme. Admettons que nous soyons tous d'accord. Ce n'est pas le cas. J'ai dit admettons. Je voudrais en revenir non pas à la politique et au lyrisme, mais au droit. Ici, nous sommes réunis pour faire la loi. Alors admettons que nous soyons d'accord. Moi, j'ai entendu le rapporteur répondre à M. Mariton sur des problèmes de forme. Je ne l'ai pas entendu répondre sur des problèmes de fond. Ce que nous voudrions, mesdames et messieurs les députés, c'est des réponses au fond. Et nous posons des questions de droit et nous voulons avoir des réponses en droit, pas en politique. Pour en revenir au droit, nous avons un nœud gordien, madame la garde des Sceaux, un nœud gordien. Je ne sais pas si monsieur René Char était spécialiste en nœud gordien, mais là nous sommes dans le nœud gordien. Comment allons-nous le dénouer? Pourquoi? Parce que le problème est bien sûr les conventions internationales dont vous avez fait état, mais dans la commission internationale d'état civil, je crois qu'il n'y a que 16 états qui en font partie, 16 états, et qu'il n'y a que 6 États en Europe qui sont à régime égal en matière de mariage sur 27 États. À partir de là, à l'évidence, cet amendement va ouvrir des conflits de droit. Et moi, je me réfère, et je parle pour que le Conseil constitutionnel puisse étudier cela avec sérieux, à l'étude d'impact. Et je ne veux parler que de ça, Monsieur le Président. Pages 28 et 29 de votre document 344 sur le projet de loi, il y a l'étude d'impact sur les conséquences au niveau international. Eh bien, Madame le garde des Sceaux, quand on lit ces deux pages, il n'y a aucune mention faite aux conséquences de ce texte. Il y a l'explication des procédures à l'étranger, mais il n'y a aucune conséquence faite sur l'impact de la mise en œuvre de ce texte sur les conséquences au niveau de ce que Monsieur Fasquelle appelait les mariages boiteux. Donc, ce que nous aimerions, Monsieur le rapporteur, je vous ai vu tout à l'heure au Pinet du Chef lorsqu'on a abordé ce problème. Nous aimerions avoir, sur le plan du droit, les conséquences du côté du gouvernement et du rapporteur qu'ils peuvent imaginer sur l'application de ce texte par rapport à ces fameux mariages boiteux, notamment en conséquence d'immigration et en conséquence
de facilité apportée pour les mariages blancs. C'est l'effet, la relation de cause à effet. Merci. Monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour expliquer pourquoi nous allons rejeter cet amendement. D'abord, pour ne pas en ajouter, la démonstration de la garde des Sceaux qui a rappelé la hiérarchie des normes d'abord, le fait que les conditions de résidence continuent à s'appliquer, le fait aussi que ces mariages devront nécessairement intégrer dans le couple une personne de nationalité française et non pas deux personnes de nationalité étrangère, comme ça a pu être dit dans certaines interventions. Mais au-delà de cela, pourquoi est-ce que nous voulons faire cette dérogation à la règle de la loi personnelle ? Pour une raison très simple. Vous ne trouverez aucun pays dans le monde où le mariage hétérosexuel, où l'hétérosexualité soit prohibée, condamnée, sanctionnée, parfois même condamnée à mort, alors que si vous regardez les différentes règles, les différentes législations qui s'appliquent, il y a des pays aujourd'hui qui prohibent l'homosexualité, qui la condamnent, et dans certains pays, l'homosexualité est même passible de la peine de mort. Et c'est pour nous la raison principale d'accorder et d'apporter une dérogation à cette règle de la loi personnelle, parce que l'homosexualité est aujourd'hui l'objet d'une discrimination dans certains pays, l'objet d'une condamnation, et que nous devons aussi permettre à ces personnes qui vivent sur notre sol de pouvoir bénéficier des mêmes droits. Dire aussi qu'au-delà de notre volonté d'apporter cette dérogation à la règle de la loi personnelle, qui soit dit en passant, fait l'objet de dérogations dans bien d'autres pays, sur bien d'autres sujets, ce n'est pas une exception que nous faisons là à travers ce projet de loi. Dire aussi que finalement, et peut-être sur le fond, cet amendement témoigne d'une forme de peur de votre part. On pourrait le prendre avec le sourire et se dire que 30 ans après, la peur des chars russes a été remplacée par la peur des chars de la Gay Pride, ou imaginez que vous rêvez ou que vous avez vu à nos frontières des cortèges de voitures enrubannées en train de klaxonner en attendant de se précipiter dans nos salles de mariage. Mais au-delà de cela, et quand on voit que le même amendement que celui que vous venez de défendre à de nombreuses reprises, a été déposé par les députés qui relèvent de l'extrême droite dans notre Assemblée et qui, par leur absence, ont peut-être voulu vous confier le soin de le défendre aussi. Au-delà de cela, ça témoigne d'une peur de l'autre, d'une volonté de rejet. Et il y a un certain nombre de termes sur les flux d'étrangers, le tourisme nuptial, l'afflux d'immigration qui font un lien entre les positions que vous avez tenues à l'occasion des textes sur l'immigration et celles que vous tenez aujourd'hui sur ce texte, sur le mariage pour tous. Monsieur Coronado. S'il vous plaît, on prend la dernière intervention pour répondre au gouvernement et à la commission. Je pensais en effet que la nuit apporterait repos et tranquillité. Et j'ai l'impression que mes collègues de l'opposition sont en pleine confusion, parce qu'hier, Mme Schmitt, qui est députée des Français et des étrangers, a présenté un amendement qui allait dans ce sens-là, qui visait non pas à faciliter le tourisme nuptial, l'arrivée massive d'homosexuels étrangers en France, mais tout simplement d'assurer une liberté fondamentale qui est de permettre à tout Français de célébrer, de se marier, quand il n'habite pas en France, ou de pouvoir se marier avec quelqu'un dont la loi nationale l'en empêche. On est dans des situations qui sont parfois dramatiques. Mon collègue Dussopt l'a rappelé. L'homosexualité est pénalisée dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a même des pays qui pratiquent la peine de mort à leur égard. Dans cette question qu'on aborde aujourd'hui, il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières, parce que moi je peux vous rassurer, et c'est une des raisons du dépôt de l'amendement du groupe écologiste sur cette question-là, quand on souhaite venir en France pour célébrer un mariage, les consulats ne facilitent pas la vie de quiconque, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Je tiens à vous le rassurer, il n'y a aucune tentative, même sous ce gouvernement, et en tout cas pas par Manuel Valls, de faciliter la circulation des concitoyens et de leurs futurs mariés. Voilà. Donc, je tenais simplement à vous dire que cet amendement qui a été intégré en commission par le rapporteur vise simplement à assurer une liberté, qui est la liberté de tout Français de contracter un mariage. Et j'espère que, effectivement, si vous souhaitez d'être dans la même situation qu'un hétérosexuel, donc il s'agit simplement d'assurer cette liberté-là. Il y a aujourd'hui une réalité, il y a énormément de Français, de concitoyens qui habitent à l'étranger ou qui souhaitent se marier avec quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous demande de regagner vos places.
Je vous rappelle que je vais mettre aux voix l'amendement numéro 298 et les amendements identiques. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 335. Suffrages exprimés 335. Majorité absolue 168. Pour 101. Contre 234. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Monsieur le Président Jacob, pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous avais demandé tout à l'heure une suspension de séance. Vous l'avez accordée d'une minute, qui était une suspension de séance qui ne permet pas de se réunir. Donc je vous demande là une vraie suspension de séance pour pouvoir réunir mon groupe dans des conditions normales. La séance est suspendue pour 5 minutes. 10 minutes. 10, 10. Allez, la séance est suspendue pour 10 minutes. La séance est reprise. Oui, monsieur Le Fur. Oui. Merci, monsieur le Président. Le propre d'un débat parlementaire, c'est qu'il doit aboutir à la clarté et pour moi, les choses ne sont pas claires. Pardonnez-moi. Monsieur Dussopt nous dit deux personnes homosexuelles étrangères ne pourront pas contracter mariage sur notre sol. Or, les choses me sont parfaitement claires. Il suffit de lire les dispositions ainsi rédigées. Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage. Monsieur Le Fur, c'est un détournement de la procédure. Ce n'est pas un rappel au règlement. Le permet. Je vous enlève la parole. Alors, mes chers collègues, je tiens à vous informer que sur le vote de l'article 1er, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à Monsieur Coronado sur l'amendement 2065. Oui, merci, Monsieur le Président. J'espère bien que des étrangers qui vivent légalement en France pourront célébrer leur mariage s'ils décident de se marier. Je ne vois pas pourquoi on leur interdirait de passer devant le maire, Monsieur Le Fur. Mon amendement, en fait, vise à interpeller le gouvernement sur la question que nous avons déjà abordée à la fois hier grâce à l'intervention de Madame Schmitt et puis tout à l'heure dans la discussion. Vous le savez et nous l'avons répété tout au long des débats, il existe une situation internationale qui n'est pas toujours très favorable aux unions de couples de même sexe. Il y a même des pays qui pratiquent la peine de mort. Donc il s'agit effectivement, dans les conflits de loi, d'écarter la loi nationale pour permettre que des mariages puissent être célébrés lorsqu'ils engagent une personne de la nationalité française et non résidente en France, en effet, ce qui est le cas des Français de l'étranger que nous représentons ici dans cette Assemblée. J'ai bien lu tout à l'heure l'amendement de ma collègue Corinne Narasiguin, mais qui ne règle pas tous les problèmes, puisque nous avons des situations qui sont tout à fait particulières de Français qui vivent depuis des générations et des générations à l'étranger, donc qui n'ont pas une dernière résidence dans l'Hexagone, donc qui ne peuvent pas revenir aussi facilement. Et nous avons aussi des politiques migratoires, contrairement à ce que l'opposition nous dit, qui sont extrêmement difficiles, et notamment même aujourd'hui pour des couples hétérosexuels qui souhaitent se marier, puisque les consulats ne délivrent pas facilement des visas
pour pouvoir venir célébrer un mariage ou permettre facilement également d'obtenir un visa long séjour pour quelqu'un qui a déjà pu faire valoir son mariage auprès du consulat. Donc il s'agit simplement d'avoir des réponses très précises sur cette question, soit par le rapporteur ou la garde des Sceaux, et donc de permettre dans l'amendement tel qu'il est rédigé que les agents consulaires puissent partout célébrer des mariages qui engagent un Français. Merci. Merci, Monsieur Coronado. Avis de la Commission. Monsieur le Président, Monsieur Coronado nous a présenté le souci qui était le sien dans son amendement et qui rejoint celui de Madame Schmitt, qui rejoint aussi celui qui sera exprimé tout à l'heure par Madame Corinne Narasiguin. Votre amendement présente des difficultés juridiques puisque la rédaction est sans doute contraire à l'article 5 de la Convention de Vienne qui précise que les fonctions consulaires consistent à agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'état de résidence ne s'y opposent pas. Et je veux dire, et là répondre à votre inquiétude, votre souci est très largement satisfait par l'amendement de Madame Narasiguin, qui dispose, je l'ai repris, qui étend la possibilité pour les Français installés à l'étranger de se marier dans la commune de la dernière résidence ou, à défaut, dans une commune de son choix. Donc, je crois que la préoccupation que vous avez, soumis, trouve largement une réponse dans l'amendement de Mme Narasiguin. C'est pour cette raison que je souhaiterais que vous puissiez le retirer ou, à défaut, la commission donnera un avis défavorable. Avis du gouvernement. Attendez, Madame la garde des Sceaux, à moins que vous vouliez le retirer, Monsieur Coronado. Oui, en fait, après discussion avec mon groupe, puisque l'amendement des parlementaires socialistes ne résout pas totalement la question que nous posons, mais en grande partie, nous avons décidé de le retirer. On sera extrêmement vigilant, notamment dans le même esprit que l'intervention de Mme Schmitt hier, sur cette question, et qui reviendra d'ailleurs dans l'examen de la réforme de la loi CESEDA, en fait, pour permettre effectivement que la liberté de se marier puisse être totalement consacrée pour les Français, notamment pour les Français de l'étranger. Merci. Merci. L'amendement 2065 est retiré. Nous en venons à l'amendement 4353. Monsieur Touré, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, il s'agit d'un amendement important qui concerne les régimes matrimoniaux et qui vise à ce que le régime matrimonial de plein droit soit, dans le cadre du mariage, la séparation de biens, et ceci pour les raisons suivantes. Lorsque nous avons adopté le PACS en 1998, nous avions adopté le régime de l'indivision. Et on s'est rendu compte que le régime de l'indivision était extraordinairement compliqué au moment de sa liquidation en cas de séparation. Et à partir de ce moment-là, le PACS a prévu le régime de la séparation de biens. Si bien qu'actuellement, lorsque deux personnes homosexuelles paxées décident de se marier, elles vont se retrouver dans la situation suivante, de passer du régime de la séparation de biens, régime de plein droit, au régime de la communauté réduite aux acquis, régime de plein droit. Or, j'estime qu'en particulier pour les femmes, il s'agit d'une régression. La protection, ce n'est pas la communauté réduite aux acquis, la protection, c'est la séparation de biens. Et on le sait mieux que quiconque. Lorsqu'il y a une déconfiture du mari et qu'à travers la communauté réduite aux acquis, on a la possibilité de poursuivre sur les biens du ménage dans le cadre de la déconfiture et de la liquidation de biens qui se fait pendant le mariage par définition à ce moment-là. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était bon de prévoir le régime de la séparation de biens comme régime de droit commun. On me répond qu'il est possible, naturellement, dans le cadre du mariage, de présenter un contrat de mariage passé. Mais bien évidemment, vous savez très bien que cela ne se passe qu'une fois sur 10 en moyenne. J'ai fait toutes les vérifications dans tout un certain nombre de mairies et la plupart des personnes qui se marient prennent le régime de droit commun parce qu'on ne va pas chez un notaire, parce que ça coûte de l'argent et parce qu'il est beaucoup plus simple à partir de ce moment-là de prendre le régime de droit commun. C'est pourquoi je pense que, en termes de liberté, en termes de protection des femmes, le régime de droit commun qui serait la séparation de biens serait un grand progrès. Merci. Avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Touré, nous avons déjà eu cette discussion en commission où on connaît votre motivation pour ce changement. Néanmoins, votre amendement ne répond pas à une demande des Français. Et nous le savons tous dans cette Assemblée, le régime de droit commun est très largement adopté par nos compatriotes, alors qu'ils ont évidemment la possibilité d'en choisir un autre. Adopter votre amendement serait peut-être, j'en suis sûr, je pense, introduire une confusion sans doute dans cette manière d'appréhender la vie de couple, dans la mesure où ce régime correspond aussi au sens et à la logique du couple marié qui s'engage à une communauté de vie et donc à une contribution commune aux charges du foyer et aux acquisitions du couple. Et puis pour finir, nous sommes ici sur un texte qui prévoit le mariage pour les couples de même sexe et votre amendement va très largement au-delà. Il est hors champ, me semble-t-il, nous a-t-il semblé à la Commission qui a repoussé votre amendement. Avis du gouvernement. Oui, monsieur le député, la question que vous posez est une question tout à fait légitime et j'entends bien votre souci de vouloir aussi protéger au mieux les deux époux et en particulier les femmes. Il n'en reste pas moins vrai que c'est une question qui modifie les régimes matrimoniaux et que pour le coup, dans le cadre de cette loi, c'est quasiment, effectivement, l'expression a été utilisée par monsieur le rapporteur, hors champ. Néanmoins, j'entends bien votre interrogation. Donc, c'est une question qui pourrait être abordée dans le cadre de la future loi famille et auquel cas, je vous demanderai de retirer votre amendement. Si vous le mainteniez, évidemment, nous donnerions un avis défavorable, mais c'est la solution que je vous propose au nom du gouvernement. Monsieur Touré. Oui, monsieur le président, mesdames les ministres, il y a effectivement un risque de cavalier législatif, j'en suis bien d'accord. Et compte tenu de l'engagement du gouvernement de reprendre cette question dans le cadre de la loi famille, je considère que mon amendement était un amendement d'appel et je me satisfais de la proposition du gouvernement. Bien, merci monsieur Touré. Donc je rappelle que les amendements 2065 et 4353 ont été retirés. Nous allons maintenant en venir au scrutin que je vous ai annoncé tout à l'heure sur l'article 1er. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Il y a des explications de vote ? Monsieur, Monsieur Gosselin, sur l'explication de vote. J'ai craint, Monsieur le Président, qu'il n'y ait pas de possibilité d'exprimer. Non, mais ne présupposez pas le vote. Vous serez convaincus par les explications, mes chers collègues. Je crois que nous sommes au cœur avec cet article 1. On l'a bien compris, au cœur du projet de transformation important de la société que souhaite voir adopter le gouvernement et cette majorité. Nous avons essayé, en toute bonne foi, tenant compte des évolutions de la société, de réunir autour d'un projet d'alliance, d'union, qui avait l'assentiment d'une large partie de nos concitoyens. La majorité, pour des raisons politiques, et le rapporteur l'a reconnu à plusieurs reprises, il n'y avait aucune discrimination au sens juridique, ça a été dit et redit, il faut le soulever à nouveau. La majorité, le gouvernement, donc, souhaite s'engager dans un choix de société que nous ne partageons pas. Une fois encore, nous voudrions dénoncer l'effet de domino. Voilà pourquoi nous avons lutté contre cet article 1. Aujourd'hui, le mariage, l'adoption, encore que
le titre du projet de loi n'y fasse nullement référence. Je le rappelle à nouveau. L'adoption, demain la procréation médicalement assistée, et la question, et la question toujours pendante, Monsieur Bailly, et s'il la vous plaît. Question toujours présente des mères porteuses. La concomitance mes chers collègues, de s'il vous nos plaît. Débats on va avoir le vote sur cet article, avec la publication d'une circulaire autorisant implicitement la gestation pour autrui et la démonstration qu'il y a une vraie ambiguïté. Merci. Une ambiguïté que le gouvernement entretient. Merci. Merci. Monsieur Touré, dans le cadre des explications de vote, toujours. Dans le cadre des explications de vote, Monsieur le Président, nous soutiendrons totalement l'adoption de cet article 1. Je voudrais dire que c'est évidemment l'article majeur de cette loi, que c'est celui qui est fondamental. Je voudrais dire aussi à l'opposition que son projet d'alliance, en réalité, aurait été une complication sans fin, car il crée un nouveau système, alors que là, il y a une volonté de simplification et d'unité de deux systèmes, celui pour les homosexuels, celui pour les hétérosexuels. Et enfin, je ne peux admettre cette référence permanente à la GPA que nous-mêmes nous condamnons totalement et pour laquelle j'ai demandé que la France prenne tout un certain nombre d'initiatives sur le plan international. Nous voterons donc sans la moindre hésitation l'article 1. Merci. Madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est un moment important que nous allons vivre dans les secondes qui viennent, puisque, alors que vous nous proposez, chers collègues de l'opposition, une sorte de sous-mariage avec l'Alliance, avec le vote de cet article 1, nous ouvrons de façon pleine et entière le mariage à tous les hommes et à toutes les femmes qui le souhaitent. C'est un grand moment. Merci. Merci. Madame Corinne Narasiguin. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes devant un vote historique, puisque l'article premier est celui qui ouvre le mariage aux couples de même sexe. Monsieur Fasquelle, voyons. C'est pour voter cet article que nous sommes là tous réunis aujourd'hui, mobilisés en ce samedi. Nous avons bien entendu les arguments de l'opposition pour d'abord supprimer cet article, puis pour inventer une nouvelle alliance qui mettrait dans une catégorie à part les homosexuels. Pour nous, ça n'est pas l'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans la séparation. Nous voulons une véritable égalité des citoyens égaux devant le code civil, quelle que soit leur orientation sexuelle, et c'est bien l'objet de cet article. C'est pourquoi le groupe SRC est convaincu, enthousiaste à l'idée de voter cet article dans les minutes qui viennent. Merci. Monsieur Rochebloine pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Non, au nom du groupe UDI, vous ne serez pas surpris qu'effectivement, la très grande majorité du groupe UDI s'opposera à l'article 1 de ce projet de loi. Effectivement, lorsque j'entends parler de... S'il vous j'ai plaît. Dit la très grande majorité. Monsieur Baïs. Très grande majorité. Nous, on a la liberté de vote. Vous, vous ne l'avez pas. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. On vient à un moment historique, comme vous venez de le dire, un moment important. C'est absolument inacceptable. Allez, on se calme. On se calme. Je crois que tout ce qui a été dit tout à l'heure est bien dit. Et a été très bien dit tout alors, à l'heure. Alors, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Non, mais où on est là? Allez. Merci, Monsieur le Président. Étant agressé, il était normal que je réponde, tout simplement. Bon, maintenant, retrouvez votre calme. Mais j'ai mon calme, tout à fait, Monsieur le Président, il n'y a aucun problème. Je crois que les démonstrations qui ont été faites et le refus d'écouter les membres de la majorité, et lorsque l'on nous reproche, effectivement, d'avoir déposé autant d'amendements, je rappelle simplement aux plus anciens, dans différents projets de loi, et Monsieur le Président, vous êtes bien placé pour le savoir,
là aussi, eh bien, il y a eu autant d'amendements et ça se passait de la même manière. Alors, je crois que simplement, si nous pouvons déjà nous écouter et prendre en considération effectivement les éléments qui ont été apportés, en particulier par nos amis de l'UMP et Jean-Christophe Fromentin. Alors, pour notre part, il est très clair, la très, très grande majorité, ne vous en déplaise, avec la liberté de vote, nous refusons Merci. Cet article 1. Merci. Monsieur Sergio Coronado, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez. C'est un moment important, ça mérite un peu de calme. C'est en effet un moment important, Monsieur le Président. L'article 1er est au cœur de ce projet de loi d'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe et à l'ouverture de l'adoption également. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous pouvons passer au vote de ce premier article. Nous avons beaucoup débattu et je voudrais dire aux collègues de l'opposition qu'il aurait été sans doute plus sage et plus intéressant de débattre justement sur cet article-là et non pas sur des dispositions qui ne figurent pas aujourd'hui dans le projet de loi comme la PMA et la GPA. Je sais que la GPA vous intéresse beaucoup, donc je vous l'ai dit hier, vous pouvez prendre langue avec les 21 parlementaires de l'UMP et du Centre qui ont déposé un projet de loi, une proposition de loi au Sénat. Et nous pourrions même, dans ce cadre-là, à l'Assemblée, initier une mission d'information commune, puisque ça semble vous passionner comme débat à venir. Et je crois effectivement que ces débats-là méritent qu'on s'y attarde et qu'on y discute de manière tout à fait raisonnable. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fond, ce qui nous différencie, c'est que vous n'avez cessé, pendant ces débats-là, de faire référence à la loi naturelle. Permettez-nous de vous dire que nous préférons à la loi naturelle la volonté des hommes, l'état de droit, et donc l'égalité des droits. Et je veux croire aussi, parce que parfois dans nos débats, et ça nous concerne aussi, on peut tous tomber dans la caricature, mais je veux croire qu'en France, en 2013, l'opposition a plutôt aujourd'hui, dans notre pays, le visage d'un Franck Riester, d'un Jean-Louis Borloo, même s'il n'est pas dans la salle, ou d'un Benoît Apparu. Je crois que c'est la réalité de ce pays. Ce ne sont pas aujourd'hui ceux qui se font les apôtres de la loi naturelle et de l'inégalité entre hétérosexuels et homosexuels qui représentent ce pays. Donc voilà, nous voterons extrêmement déterminé cet amendement, c'est ce premier article qui est au cœur de ce projet de loi. Et je tenais effectivement à féliciter mesdames les ministres qui sont là depuis le départ pour la détermination dont elles ont fait preuve. Je crois, chers collègues, qu'on peut être fiers, en effet, de ce vote. Justement, on va entendre le gouvernement. Madame la ministre Bertinotti. Oui, c'est vrai. Oui. Nous sommes à un moment important et je sais que le choix que vous allez faire, c'est effectivement pour dire non aux peurs véhiculées depuis 48 heures. Que des expressions comme le tourisme reproductif, ou le, qui a été évoqué hier, ou le tourisme matrimonial d'aujourd'hui véhicule allègrement comme s'il y avait une suspicion sur le sérieux et l'engagement des couples et des familles homoparentales. Vous allez dire non à une vision anxiogène de la société. De laisser penser que cette loi détruirait notre société et du même coup d'éviter que l'ensemble de nos concitoyens ne puissent regarder avec sérénité la réalité de la diversité des familles. Et je vous pose une question, rendez-vous vraiment service à l'ensemble des Français en jouant sur ces peurs? Car effectivement, à travers ce vote, c'est une façon de dire oui à une vision généreuse et ouverte de la famille. C'est dire oui à l'égalité, c'est dire oui à la protection juridique des enfants qui vivent dans ces familles homoparentales et dont vous ne vous préoccupez pas véritablement alors que vous avez toujours l'intérêt supérieur de l'enfant à la bouche. Et puis vous nous dites, le mariage, pourquoi pas ? Enfin, plus exactement, comme disait Marie-Georges Buffet, le sous-mariage. Mais l'adoption, jamais. Et, M. Mariton, vous évoquez régulièrement les sondages.
Eh bien, regardez attentivement les sondages. Parce que si vous aviez regardé attentivement les sondages, vous auriez vu une chose sur laquelle je me permets Monsieur d'attirer votre attention, c'est que les moins de 50 ans, je ne parle pas simplement du mariage, je parle de l'adoption. Les moins de 50 ans sont très majoritairement favorables à l'adoption. Et je vais même vous dire, dans la question qui leur a été posée, sont même favorables à la procréation médicalement assistée. On ne peut pas faire fi de ces générations qui incarnent l'avenir. Et l'article que vous apprêtez à voter est un article pour l'avenir de nos familles. Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, nous arrivons au terme d'une discussion qui a été d'une grande richesse, d'une grande diversité pendant 3 jours et 3 nuits. Cette richesse et cette diversité a été assurée par des interventions de très grande qualité, de très grande maîtrise, des interventions qui ont plaidé pour cette institution du mariage, qui est à la fois un contrat entre deux personnes et une institution qui produit des effets d'ordre public par son régime, c'est-à-dire les conditions d'âge à partir desquelles un mariage peut être célébré, les conditions de consentement qui vérifient la volonté de chacun des conjoints, les conditions de prohibition qui sont très claires dans notre code civil et qui n'ont pas été modifiées, qui ont été adaptées à la réalité induite par des mariages de couples homosexuels, c'est-à-dire ces conditions de prohibition qui concernent l'inceste et la polygamie. Ce mariage, cette institution, produit également des obligations de solidarité, d'assistance, de fidélité au sein des couples. Le mariage en tant qu'institution assure une protection juridique, elle l'assure au couple, c'est-à-dire à chacun des membres du couple, et l'assure aux enfants. Cela permet de rappeler que la démarche de choisir de se marier est une démarche individuelle, et c'est bien une liberté individuelle que nous consacrons avec cet article premier. La liberté pour chacune, pour chacun dans ce pays, de choisir sa partenaire, son partenaire, de décider ensemble de construire une vie, de décider ensemble de se tracer un avenir commun où chacune, chacun sait qu'il pourra s'appuyer sur l'autre en cas de difficulté, en cas de doute, en cas d'accident de la vie. Il n'y avait aucune raison que jusqu'ici, des couples homosexuels, qui sont une réalité dans cette société depuis des siècles aussi, mesdames et messieurs, depuis des siècles aussi, il n'y avait aucune raison que ces couples homosexuels qui construisaient aussi ce projet de vie, qui construisaient aussi un partenariat solide, qui décidaient de s'engager dans l'éducation d'enfants, de consacrer du temps à des enfants, de se préoccuper de l'épanouissement de ces enfants, du destin, de la destinée personnelle de ces enfants. Il n'y avait aucune raison que jusqu'ici, l'État ne leur assure la protection qu'entend l'institution du mariage. C'est ce que nous faisons avec cette institution qui a commencé en 1804, mariage civil, laïque, qui après avoir reconnu le pluralisme religieux, s'est ouvert à tous, mais qui a commencé en 1804 avec un article 213 qui stipulait que l'homme devait protection à sa femme et que la femme devait obéissance à son mari. J'ai du mal à le dire, j'admets que obéissance au mari, ça a un peu de mal à sortir.
Cette institution n'a cessé d'évoluer. Elle n'a cessé de progresser. Elle n'a cessé d'épouser les valeurs de la République. Elle n'a cessé d'habiter la laïcité dans ce pays. Elle n'a cessé de donner corps, force, de donner des ailes aux libertés individuelles dans ce pays. Cette institution n'a cessé d'avancer vers l'égalité. Elle l'a fait pour les femmes. Elle l'a fait pour les enfants. Elle l'a fait pour les enfants. Depuis une quarantaine d'années, obstinément, le législateur fait régresser les discriminations inscrites dans le droit entre les enfants. Depuis une quarantaine d'années, le législateur dans ce pays s'obstine à faire en sorte que les enfants soient égaux. Il a commencé donc par interdire la discrimination entre enfants légitimes et enfants naturels. Ensuite, il a fait disparaître du droit la notion même d'enfant légitime et d'enfant naturel. Entre-temps, il a été contraint de mettre un terme à la discrimination qu'il infligeait aux enfants adultérins. Cette institution n'a cessé de progresser et elle continue à progresser. Voltaire disait que les progrès de la raison sont lents et les racines des préjugés profondes. Nous savons qu'il faut lutter contre des préjugés. Nous savons qu'il faut lutter contre les représentations. Nous savons que l'institution du mariage est chargée de représentations, qu'elle est chargée de forces symboliques, parce que tout simplement, elle transporte toute son histoire, mais principalement toute l'histoire de la République, puisque le mariage civil est instauré par la Première République. Nous sommes sensibles à ces représentations qui font que certains s'interrogent sur le fait que l'institution du mariage puisse être ouverte aux couples de même sexe. Mais oui, parce que c'est le mariage civil. Et oui, parce qu'il s'agit de liberté individuelle. Nous sommes donc extrêmement heureux et fiers d'aboutir à cette première grande et belle étape, l'ouverture du mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Et nous savons, nous faisons belle œuvre pour les enfants de ce pays. Merci, madame. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix, je vous le rappelle, l'article 1er. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 348. Suffrages exprimés 346. Majorité absolue 174. Pour 249. Contre 97. L'Assemblée nationale a adopté. S'il vous plaît. La séance n'est pas suspendue, donc on essaye de faire attention. Et j'ai un rappel au règlement de M. Christian Jacob. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'interviens dans le cadre de notre article 58, alinéa 4, sur le déroulement de la séance. Madame la ministre de la Famille vient d'avoir des propos pour le moins ambigus. Tout au long de ce débat, on nous a expliqué que, bien entendu, il n'y avait pas de légalisation de la gestation pour autrui par les légalisations à l'étranger. Or, nous sommes convaincus du contraire, parce que je ne vois pas comment on peut accepter de légaliser les GPA à l'étranger, c'est-à-dire pour ceux qui ont la capacité de dépenser 80 ou 100 000 dollars. En revanche, ceux qui restent en France, ça ne serait pas possible. Donc, ça pose un premier sujet. Mais l'ambiguïté du discours est sur la PMA. Elle vient de nous dire, Madame la Ministre,
que une majorité des Français, notamment les moins de 50 ans, y étaient favorables. Sous-entendu, ceux qui ont plus de 50 ans ne font sans doute pas partie des Français et ne comptent pas. Leur avis ne devrait pas être pris en compte. Quel mépris pour une partie de la population. On est vraiment dans cette vision sectaire de la société. Il y a d'un côté ceux qui détiennent la vérité et les autres qui sont traités par le mépris. Donc, je souhaiterais, puisque Madame la garde des Sceaux, qu'on a interrogée à plusieurs reprises, n'a toujours pas donné sa position clairement sur la PMA pour convenance personnelle. Est-ce que oui ou non, Madame la garde des Sceaux, vous y êtes favorable ? Est-ce que oui ou non, Madame la ministre de la Famille, vous y êtes favorable ou pas ? C'est Madame la ministre de la Famille qui vient d'y faire référence. Donc elle se doit de s'expliquer. Et elle est là pour être à la disposition. Elle est là pour être à la disposition des parlementaires et pour répondre à nos questions, pas pour faire des discours de morale. Il y a un sujet précis. Est-ce que oui ou non, vous êtes favorable à la PMA, Madame la ministre ? Merci. Nous en venons à l'article additionnel après l'article premier. Non, mais le gouvernement prend la parole quand il le souhaite. Vous avez posé votre question, ils interviendront quand ils voudront. Amendement numéro 4362, Monsieur Touré. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, je pense que cet amendement va amener un peu de sérénité. Je propose qu'après l'article 34 du Code civil, il soit inséré un article 34.1 ainsi rédigé. Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. En effet, l'officier d'état civil, le maire, agit, nous le savons, dans le cadre de la délégation de l'État comme responsable de l'état civil, et en particulier pour le contrôle et la rédaction des actes de l'état civil. Il doit être soumis, chacun le comprend bien, malgré toutes ses fonctions qui sont les siennes, à un contrôle dans le cadre de cette mission essentielle. À qui doit-on confier cette mission de contrôle et de surveillance des officiers d'état civil ? À l'évidence, au procureur de la République, car celui-ci représente l'État pour tout ce qui concerne l'ordre public civil. Il était donc essentiel, alors que certains même envisagent de ne pas respecter la loi, mais ils sont infiniment peu nombreux, et s'opposer par là même à des demandes des citoyens de donner ce pouvoir de contrôle au procureur de la République. Le rôle du procureur de la République doit donc être rappelé dans le Code civil pour tous les actes de l'état civil à un moment essentiel de la rédaction du Code civil, c'est-à-dire après l'article 34. C'est une garantie, c'est une liberté. Et je ne doute pas que sur cette loi de liberté, nous soyons tous d'accord. Merci, Monsieur Touré. Avis de la Commission. Pardon, Monsieur le Président. Avis favorable de la Commission. Monsieur Touré a raison. C'est une utile consécration législative expresse du rôle du procureur de la République en matière d'état civil. C'est vrai, en l'état actuel du droit, plusieurs articles disposent du rôle dévolu au procureur de la République, par exemple lorsqu'il s'agit pour lui de vérifier l'état des registres d'état civil lors de leur dépôt au greffe, par exemple également lorsqu'il est saisi par l'officier d'état civil d'un doute qu'il pourrait y avoir sur l'intérêt, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la décision de ses parents de lui attribuer tel ou tel prénom. Il s'agit donc d'une proposition utile d'intégrer dans notre code civil un article général reconnaissant au procureur de la République cette compétence. La commission a donc donné un avis favorable à cet amendement. Avis du gouvernement. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Touré, le gouvernement émet également un avis favorable. En général, d'ailleurs, vos amendements sont de très grande qualité et concernent des sujets importants. Celui-là ne déroge pas à la règle. L'état civil est en effet placé sous l'autorité du service public judiciaire.
Au quotidien, les officiers d'état civil ont à solliciter le parquet pour toute une série de problèmes concernant la rédaction d'actes, lorsqu'il s'agit par exemple d'attribuer le nom à un enfant, lorsqu'il y a parfois aussi une difficulté dans l'élaboration d'un dossier de mariage et un risque éventuel d'annulation de mariage, lorsqu'il y a aussi une suspicion sur un mariage qui peut être un mariage blanc. Ce sont les dispositions de l'article 160, des articles 171 et 175 du Code civil qui demeurent identiques pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels. Par conséquent, il y a lieu effectivement de consacrer ce rôle du parquet et donc de replacer le procureur de la République sous l'autorité de contrôle et de surveillance qu'il exerce au quotidien, compte tenu des nombreuses dispositions du Code civil. Pour ces raisons, le gouvernement est favorable et vous remercie même de cet amendement qui permet de consacrer ce rôle solennellement dans notre Code civil. Merci. Sur cet amendement 4362, je suis saisi d'une demande de scrutin public de la part du groupe UMP. Le scrutin va être annoncé dans l'Assemblée nationale. Monsieur Mariton. Je commencerai par redire après notre président, Christian Jacob, tout à l'heure, le propos inacceptable de Madame la ministre des Familles qui, tout à l'heure, a voulu disqualifier une partie du corps électoral considérant qu'il y avait deux catégories de Français, ceux de moins de 50 ans dont l'opinion vous importait et les plus de 50 ans dont l'opinion vous était indifférente. Les uns et les autres forment notre nation. S'agissant de l'amendement de M. Touré, cet amendement, chers collègues, n'est peut-être pas mauvais en lui-même, mais cruellement, il renvoie aux lacunes du texte et aux questions non résolues posées par l'étude d'impact, page 26, parce que à la fois on nous dit hypocrisie, la réforme envisagée n'aura pas de conséquences sur les actes d'état civil, et on renvoie immédiatement après à l'instruction générale relative à l'état civil, dont le travail de refonte est actuellement en cours. Il n'y a pas de conséquences, mais on refait tout. Il nous est par ailleurs indiqué, mais vous l'avez rappelé, Madame le ministre, qu'il y aura, par voie d'arrêté, un nouveau modèle de livret de famille adapté à la situation des couples de personnes de même sexe. Pourquoi tout ça? Un mariage unique et malgré tout, parce qu'à un moment, les réalités s'imposent, deux livrets de famille distincts. N'est-ce pas discriminant à ce moment-là? Évidemment, on nous dit, au fond, dormez bonnes gens, mais l'essentiel est à venir par voie réglementaire. Vous n'avez rien réglé, s'agissant du livret de famille. Vous avez même dit, Madame le ministre, avec une certaine honnêteté, que les mots à utiliser n'étaient aujourd'hui pas connus, parce qu'ils sont évidemment un peu difficiles à définir, et que tout ça a été renvoyé à un arbitrage du Premier ministre. Ça peut être l'occasion d'en savoir un peu plus. Vous avez voté un article sans en connaître les conséquences. Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur les conséquences réglementaires qui, si par malheur la loi est votée, l'article est voté, Monsieur le Président, mais pas la loi pour l'instant. Si la loi par malheur devait être votée, quelles en seraient les conséquences? La parole est à Monsieur Bernard Accoyer. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement interpelle tous les élus que nous sommes et il touche au bon fonctionnement et à la liberté d'exercice des mandats des élus, puisque l'amendement prévoit que ceux-ci, en tant qu'officiers d'état civil, exerceraient, ce qui est déjà le cas, leur responsabilité sous le contrôle et la surveillance des procureurs de la République. Or, il y a déjà des lois et évidemment que tous les élus locaux de France exercent leur mandat et que leurs décisions dépendent du respect de notre législation. Cet amendement, à cet instant du texte, en réalité, vise à contraindre les maires, les élus locaux,
à exercer sous le contrôle et la surveillance leurs nouvelles responsabilités si le texte en cours était voté et appliqué un jour. Et notamment, elle concerne la déclaration qui était certainement sincère du président de la République devant le Congrès national des maires de France sur la clause de conscience, la liberté de conscience des maires pour prononcer ou non tel ou tel acte d'état civil, en l'occurrence un mariage qui serait dans ce cadre ouvert à deux personnes de même sexe. Il y a là en réalité la volonté de contraindre des élus qui d'ores et déjà exercent leurs responsabilités dans le cadre de la loi. Alors que dirait notre collègue Mamère s'il était là, lui qui il y a quelques années avait célébré à titre de provocation un tel mariage, et d'ailleurs, la justice avait été saisie et avait annulé cet acte d'état civil, ce qui prouve bien qu'il y a déjà tout ce qu'il faut dans la loi pour que les élus locaux, les officiers d'état civil en l'occurrence, tels qu'ils sont, puissent respecter les dispositions légales. Cet amendement est inutile, cet amendement a un caractère de provocation, mais surtout, il a un relent de contraintes, de surveillance et de contrôle des élus locaux qui soulèvent un problème majeur pour les démocrates que nous sommes tous ici. Évidemment, nous voterons contre. Merci. Monsieur Le Bouillonnec. Merci, Monsieur le Président. Il est exact que ce texte confirme la réalité actuelle, sauf qu'il l'a fait rentrer dans le Code civil. Et ce n'est pas rien. Car figurez-vous, chers collègues, le principe selon lequel l'officier de l'état civil agit pour tous les actes d'état civil sous l'autorité du procureur est un principe intangible. Et s'agissant des mariages en particulier, un maire ne peut pas refuser de célébrer un mariage s'il a une question, un doute sur le consentement, sur la capacité. Il doit saisir le procureur, car c'est l'autorité judiciaire qui est seule compétente pour soit autoriser la célébration, soit le refuser. Je précise que ce texte n'évoque pas seulement le mariage. Il concerne tous les actes d'état civil. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le problème enfermé par l'intervention de Bernard Accoyer. On est dans l'ensemble des responsabilités assumées par un officier de l'état civil, dans l'ensemble des responsabilités que la loi lui confie. Et il est très intéressant et très important, me semble-t-il, que l'on traduise dans la loi ce lien d'autorité, car c'est un lien d'autorité qu'assume le procureur de la République à l'égard des officiers de l'état civil. Et pourquoi c'est bien de mettre dans le texte? C'est parce que la plupart de nos concitoyens l'ignorent. Et qu'en inscrivant ce principe d'une manière forte dans le Code civil, on inscrit cette réalité que le maire, assumant toutes ses responsabilités, doit le faire lorsqu'il est officier de l'état civil sous l'autorité de l'autorité judiciaire, comme quand il est officier de police judiciaire sous la double autorité du préfet et du procureur de la République. C'est replacer la situation dans sa réalité, et je crois très pertinent qu'à cette occasion, au-delà des problèmes du mariage, car ce dispositif ne concerne pas que le mariage, cette entrée de ce principe dans le Code civil servira nos concitoyens. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 4362. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 294. Suffrages exprimés 294. Majorité absolue 148. Pour 210. Contre 84. L'Assemblée nationale a adopté. Oui, monsieur Le Fur. Merci, monsieur le Président. Il s'agit vraiment d'un rappel au règlement. Je n'avais pas du tout l'intention d'intervenir sur le fond pour dire que j'étais contre cette idée et qu'elle était insultante pour les élus, comme d'autres l'ont dit avant moi. Je voulais intervenir sur une raison de procédure.
parce que nous traitons un amendement qui est déposé par notre collègue Couture, mais il se trouve que je traite le sujet très différemment sur le fond dans un amendement qui suit, qui est l'amendement 59. Ce dont je suis surpris, c'est que l'organisation de nos débats n'est pas prévue de faire en sorte que ces amendements soient liés de façon à ce que chacun puisse s'exprimer et que nous ayons globalement une réponse. En délitant notre débat, Monsieur le Président, nous atténuons la clarté nécessaire, chacun en conviendra, de nos échanges. Merci de cette tonalité. Nous en venons maintenant à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. L'amendement 1447. Monsieur Ollier, Monsieur Sermier. Monsieur Sermier. Oui, Monsieur le Président. Donc cet amendement donne aux couples le droit de célébrer leur mariage civil dans toutes les communes de France. Les articles 74 et 165 du Code civil prévoient que le mariage est célébré dans les communes où l'un des époux a son domicile ou sa résidence. Les habitants de cette commune, et le cas échéant ceux de la commune où l'autre époux réside, sont informés du mariage à venir par le biais de la publication des bans. C'est l'article 63 et 166 du Code civil. Celui-ci vise à faire connaître le mariage à tous, afin que toute personne soit à même de s'y opposer en démontrant d'éventuels empêchements. Elle est aussi censée contribuer à limiter le risque de mariage de complaisance. Eu égard à ces considérations, cet amendement permet donc de célébrer un mariage dans toutes les communes de France, tout en maintenant la règle de la publication des bans dans les communes de résidence des futurs époux, en plus de sa publication dans la commune de célébration du mariage. Merci. L'amendement numéro 55, Monsieur Darmalin, est-ce que vous êtes signataire? Attendez. Oui, très bien. Cet amendement, Monsieur le Président, nous permet quand même de revenir sur un fait sans doute sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Un président de la République qui va au Congrès des maires de France, qui leur explique la main sur le cœur qu'il y aurait une liberté de conscience, qu'il s'y fait applaudir et qui, le lendemain, en catimini, et non pas à la loge, comme certains parlementaires de cette Assemblée, reçoit des associations, des lobbies, pour dire qu'effectivement, il reviendra sur cette décision et qu'il laissera sans doute aussi au Parlement de décider. Nous aurions dû écouter Martine Aubry, peut-être le Parti Socialiste aurait dû aussi écouter plus davantage Martine Aubry. Il y avait effectivement un flou dans la politique et les convictions du président de la République. Que peut-on donner comme crédit à sa parole lorsqu'il s'agit de dire à des milliers de maires, il y aura une liberté de conscience, bien évidemment, le lendemain, de dire le contraire et laisser ensuite l'exécutif et sa majorité parlementaire revenir sur ces invitations. Moi, je voudrais revenir, Monsieur le Président, quand même, sur une drôle d'avancée de nos travaux. À l'heure où on parle de l'acte 3 de la décentralisation, on donne de plus en plus confiance aux élus locaux, on veut contrôler leurs actions. Et finalement, ce n'est pas l'amour qui exclut pas le contrôle, c'est le contrôle qui exclut l'amour que l'exécutif et la majorité parlementaire a envers ces élus locaux. Je ne fais pas beaucoup de cas de votre amendement précédent au Sénat, Monsieur Touré, nous en reparlerons sans doute dans les prochaines semaines quand le texte reviendra. Cet amendement, finalement, est un amendement socialiste, un amendement hollandiste, ça fera plaisir à un certain nombre d'entre vous. Il vise à rendre concret la promesse du président de la République à tous les maires de France. Je pense que le respect de la parole donnée vaut aussi pour le président de la République. Avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Deux remarques. D'abord sur le premier amendement, 1447, qui autorise la célébration du mariage dans la commune choisie par les époux. L'aspect symbolique, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, notamment dans les discussions générales, l'aspect symbolique, la charge symbolique du mariage qui se célèbre au milieu de sa communauté, dans sa commune, là où l'on vit, est extrêmement importante en termes de reconnaissance sociale. C'est fondamental. C'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs vous l'avez vous-même suggéré, la publication des bans se fait sur les frontons de nos mairies. Et donc il y a une contradiction dans votre proposition qui ne permet évidemment, qui n'a qu'un but, c'est de permettre aux maires de refuser le mariage des couples de même sexe. L'ancrage géographique, c'est fondamental
pour la charge symbolique dans le mariage. Par ailleurs, sur l'amendement 55, vos rédactions laissent entrevoir tous les motifs de refus laissés à la libre appréciation du maire. Donc on pourrait imaginer que ce soit pour motiver, pour des raisons, je ne sais pas, on peut fonder sur la nationalité, sur la religion, sur d'autres motifs. Évidemment, ça n'est pas acceptable. Et c'est pour cette raison que la commission a repoussé ces deux amendements. Avis du gouvernement. J'ai deux inscrits. Avis du gouvernement. Le gouvernement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, est également défavorable à cet amendement parce que cet amendement est un simple contournement. Nous connaissons votre demande, vous l'avez formulée à plusieurs reprises, nous l'avons entendue, nous vous avons répondu. Voilà, il y a des dispositions déjà dans le droit concernant les situations où le maire officier d'état civil refuserait de célébrer un mariage, et cela concernait déjà les couples hétérosexuels. Voilà, toutes les dispositions de contournement qui sont prévues recevront un avis défavorable, parce qu'il n'est pas question de concevoir sous une forme ou sous une autre ce que vous essayez d'appeler une clause de conscience. Merci. Monsieur Pietrasanta. Merci, Monsieur le Président. La série d'amendements que vous nous présentez, dont certains d'ailleurs sont co-signés avec le Front National, d'invoquer la liberté de conscience des maires pour qu'ils puissent déléguer la célébration des mariages des couples de même sexe, est à la fois hypocrite, anti-républicain et discriminatoire. Hypocrite parce que la loi permet déjà à un maire de déléguer la célébration d'une union à ses adjoints, voire à certains de ses conseillers municipaux sous certaines conditions. Anti-républicain également, car le maire qui célèbre une union en qualité d'officier d'état civil sous le contrôle du procureur de la République, il n'a donc plus le visage de l'élu à la tête de sa commune, il est un agent de l'État tenu à la neutralité, il incarne et personnifie la République aux yeux des citoyens. En vérité, le maire ne peut seul se refuser à marier un couple. Mais vos amendements sont également discriminatoires, car les défenseurs de ces amendements instrumentalisent le recours à la liberté de conscience du maire, et ce, à double titre. Vous refusez une évolution sociétale souhaitée par une majorité de citoyens, en empêchant la loi de s'appliquer sur tout le territoire national. L'institution d'une liberté de conscience pour le maire constituerait une atteinte majeure au principe d'égalité de citoyens devant la loi garantie par la Constitution. Par l'octroi d'une prétendue liberté de conscience au maire, on empêchera demain nos concitoyens de bénéficier de droits identiques dans toutes les communes de France. On contraindra certains à partir ailleurs pour se marier. Imaginez un couple homosexuel, né, vivant, travaillant dans leur commune, et on leur dirait non, le maire ne veut pas vous marier, allez ailleurs, pas d'homosexuel qui se marie dans ma commune. C'est scandaleux. Sous l'apparence de liberté, vous instituez une discrimination inacceptable. Alors allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Que dire si un maire refuse de célébrer une union pour des motifs tenant à la personnalité des couples, leurs conditions sociales ou encore leurs opinions? Au nom d'une prétendue liberté de conscience du maire, on masque en réalité un refus de se conformer aux principes fondamentaux. C'est en définitive la République elle-même qui s'en trouvera affaiblie. Et comme je suis persuadé que dans les rangs de l'UMP, il y a aussi des républicains qui refusent de faire des alliances avec le Front National, qui sont attachés à nos principes fondamentaux républicains, je les appelle à voter contre ces amendements. Merci. Sur les amendements numéro 1447 et 55, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Mariton. Monsieur le Président, d'abord je me suis permis de vous faire observer que la jonction des deux amendements est assez critiquable. Il ne parle franchement pas du même sujet. Sur le premier, je l'ai évoqué en commission et le président de la commission a même sollicité que j'entonne un air d'une chanson de pionnier soviétique, mais je ne veux pas vous l'infliger de nouveau ici. Je crois que l'amendement proposé par nos collègues n'est pas une bonne idée. Il est
important de garder un enracinement par le mariage. Et l'idée que le mariage puisse être célébré dans n'importe quel lieu du territoire abîme cela. Notre société a besoin d'enracinement, la famille y contribue, le mariage alors aussi. Et il est important que des critères de domicile, de résidence, au demeurant mis en œuvre avec une certaine intelligence pratique sur l'ensemble du territoire national, permettent de maintenir ce lien des conjoints et du territoire. Le deuxième amendement est tout simplement une tentative, il y en a d'autres, de traduction des engagements du président de la République. Et, Monsieur le Président, je crois qu'il y a des dispositions dans notre règlement qui permettraient de sanctionner les insultes graves au chef de l'État que nous venons d'entendre sur l'hypocrisie, l'anti-républicain et le discriminatoire. Peut-on à ce point impunément, dans notre Assemblée, traiter le président de la République d'hypocrite, d'anti-républicain et de discriminatoire? On ne peut pas considérer, dans une démocratie, que le chef de l'État s'exprime devant le Congrès des maires, que tout cela ne vaut rien, que l'on peut insulter le président de la République de cette manière dans notre hémicycle, et que les députés et les Français n'auraient qu'à passer leur chemin. Merci. Monsieur Lamblin. Oui, je voudrais revenir sur l'amendement 1447. Alors, si les mots ont un sens, je vois bien, choisi par les époux. C'est bien ce qui est proposé dans le texte. Alors, je ne suis pas d'accord avec Hervé Mariton sur ce sujet. Je suis maire, comme beaucoup ici, et très souvent, nous avons des jeunes gens qui sont issus de notre commune, qui l'ont quitté depuis bien longtemps et qui aimeraient s'y marier. Et ce qu'il se passe, c'est qu'on déclare qu'ils sont résidents parce que les parents sont encore là, etc. Mais ce n'est quand même pas tout à fait la vérité. Donc, suivre cet amendement 1447, ça permet de faire entrer dans la légalité une pratique relativement courante. Alors, au passage, je me permets de vous dire, souffrez d'écouter cette proposition, parce que, voyez-vous, je suis encore en cumul de mandat. C'est-à-dire, je suis votre père et je suis maire. Je suis un des derniers hétéros élus. Alors, je vous en prie, essayez de nous écouter. Monsieur Roche-Bloine. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, simplement quelques mots concernant ces amendements, mais je voudrais auparavant quand même revenir aux propos de Madame la ministre de la Famille. Des familles, oui, oui. Et je pense que c'est quand même particulièrement grave que de vouloir s'appuyer effectivement sur des sondages, sur une partie de la population. Ça aussi, c'est de la discrimination. Je pense qu'il fallait le dire. Concernant les deux amendements, très honnêtement, moi, pour ma part, j'y suis effectivement très favorable et la majorité, très grande majorité du groupe UDI, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui, sont très favorables à ces amendements. Oui, très favorables à ces amendements. Et je reviendrai. Oh, écoutez, mes chers amis, on vous a connus lorsque vous étiez dans l'opposition et on sait ce que vous avez fait, vous aussi. Alors surtout, ne donnez pas de leçons. On pourrait vous en donner tout autant que vous voulez bien nous en donner. Alors, simplement, moi, je reviendrai lors de l'Assemblée des maires de France. Le président de la République a été très clair, clause de conscience. Je pense que c'est important. Et je me dis aujourd'hui, bien sûr, on dit, mais il peut y avoir les adjoints, il peut y avoir les conseillers municipaux par délégation. Et si tous refusent, ils peuvent aussi refuser. Alors, il faudra s'en remettre au procureur. Eh bien, moi, je préfère m'en remettre simplement à ce qu'avait proposé le président de la République, que cette clause de conscience soit appliquée, et ce serait bien ainsi. Et nous voterons, effectivement, ces deux amendements. Madame Brigitte Bourguignon. Monsieur le Président, je souhaitais intervenir sur l'amendement 55 pour deux raisons essentielles. D'abord, sur la forme, parce que je ne banalise pas, moi, le fait qu'un amendement puisse être co-signé entre des parlementaires de l'UMP, Monsieur Bompard, dont on a pu mesurer la haute
valeur qu'il accordait à ce travail parlementaire à travers les amendements édifiants qu'il avait pu déposer et aussi la haute opinion qu'il avait des personnes homosexuelles. Je pense que les barrières idéologiques tombent un peu trop facilement sous couvert du travail parlementaire. Ensuite, sur le fond, nous nous battons depuis des semaines pour l'égalité des droits aux couples, au mariage pour tous. Alors, encore une fois, botté en touche en invoquant la liberté de conscience, eh bien, je trouve que c'est un petit peu facile. En fait, eh bien, le président de la République, ça vous prouve qu'on a une grande liberté d'expression ici, monsieur, s'il en était besoin. La notion de liberté de conscience, c'est introduire le fait d'une nouvelle, de fait, une nouvelle discrimination. Car malgré leurs droits nouveaux, enfin obtenus à se marier, les couples homosexuels se verraient au final fermer les portes de leur mairie face aux maires qui refuseraient d'appliquer la loi. Je pense qu'il convient de rappeler ici qu'un maire est d'abord et avant tout un élu de la République, élu par le peuple, pour le peuple, qu'à ce titre, il a la double responsabilité d'être à la fois l'exécutif de sa commune, mais aussi un agent de l'État dans sa fonction d'officier d'état civil, qu'il se doit donc de mettre de côté ses propres convictions, qu'elles soient politiques ou plutôt religieuses, pour appliquer la loi et seulement la loi. Les maires d'ailleurs, en toute responsabilité, en ont d'ailleurs parfaitement conscience et peu d'entre eux s'en affranchiraient. C'est là encore une dernière et une nouvelle manière de refuser l'égalité des droits au mariage pour tous. Il convient donc, mes chers collègues, de refuser cet amendement. Merci, Madame Bourguignon. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement numéro 1447 que je vais donc le mettre aux voix. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 263. Suffrages exprimés 253. Majorité absolue 127. Pour 41. Contre 212. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement numéro 55. Je vais donc le mettre aux voix. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 242. Suffrages exprimés 237. Majorité absolue 119. Pour 55, contre 182, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Monsieur Darmanin, un rappel au règlement, vous m'en avez promis un vrai. Oui, oui, c'est un vrai, monsieur le Président, et je tiens toujours mes promesses. Ma femme pourrait vous le confirmer, monsieur le Président. Monsieur le Président, sur la base de l'article 58, je voudrais réagir aux interpellations de monsieur Petrassinta et de madame Bourguignon, qui ont beaucoup... Qui ont beaucoup d'influence sur le déroulé. S'il vous plaît. Allez. Qui ont beaucoup d'influence sur le déroulé de nos débats. Qui ont beaucoup d'influence sur le déroulé de nos débats, puisque, sur ce qui concerne les amendements, certains reprochent effectivement qu'il y aurait deux catégories de parlementaires. Il y a ceux qui seraient capables de cosigner les amendements des parlementaires et d'autres qui ne le seraient pas. Je voudrais quand même faire remarquer que je suis né en 1982, ça peut faire rougir un certain nombre d'entre vous. Je fais donc partie de la génération Mitterrand. Et je me rappelle que 4 ans plus tard, s'il y a eu des députés qui ont pu faire un groupe Front National ici, c'est parce que M. Mitterrand, dont vous souteniez la majorité, avait accepté la majorité parlementaire par la proportionnelle. Je voudrais aussi dire que si Mme Marion Maréchal Le Pen sait que la candidate socialiste a refusé de se retirer au second tour, et je voudrais enfin dire que j'appartiens à une ville où par 4 fois... Le maire socialiste est élu parce qu'il est populaire. Et où est le rapport avec le règlement ? Donc il y a ici des parlementaires qui sont élus. On combat lors des élections ces parlementaires. Quand ils sont élus, ils représentent le peuple. Aux prochaines élections, il vous appartient de les faire battre. Merci. Amendement numéro 17. Monsieur Gosselin. Pardon ? Ah, pardon, Madame Genevard.
Monsieur Gallu, quelle énergie. Allez, bien. Madame Genevard. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement résulte d'une demande faite par le président des maires de France en février 2011. Il avait saisi le garde des Sceaux afin d'introduire une modification qui permette à de futurs époux de se marier à la mairie du lieu de résidence des parents. Comme cela a été dit tout à l'heure par mon collègue Jacques Lamblin, c'est une demande assez fréquente et cette demande avait été acceptée, avait fait l'objet d'un amendement gouvernemental. Or, le Conseil constitutionnel l'a retoqué au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif, donc pour une question de forme. Aussi, profiterions-nous de ce projet de loi pour permettre de répondre aux préoccupations à la fois de nombreux maires, mais aussi de nombreuses familles. Merci, madame. Avis de la commission. Merci, monsieur le président. Madame, notre collègue a effectivement bien présenté les choses. Il s'agit de la reprise d'un amendement qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel en décembre 2011 en raison d'un cavalier législatif. Néanmoins, on peut douter de l'opportunité de réintroduire un tel dispositif dans ce texte. D'abord parce qu'on ne peut pas savoir si c'est un cavalier. C'est le Conseil constitutionnel, évidemment, qui en décide. Mais on reste quand même hors champ. Nous sommes, je le rappelle, sur un texte très précis qui ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe. Votre proposition s'applique à tous les mariages pour tous les couples. Par ailleurs, et nous l'avons rappelé dans la discussion des amendements précédents, je pense que nous aurons l'occasion de le rappeler dans les amendements suivants, vous pourriez laisser croire, ma chère collègue, dans cet amendement, qu'il y a un moyen pour les maires de refuser un mariage. Ce serait une possibilité pour eux de refuser un mariage. Je crois que nous avons tous le souci, enfin en tout cas, je crois que la majorité a le souci de ne pas envoyer ce type de message dans le cadre de ce texte. C'est pour ces raisons, que la commission des lois a donné un avis défavorable à ce texte. Avis du gouvernement. S'il vous plaît. Allez. Avis du gouvernement. Du coup, avec vos protestations, j'en doute, nous sommes bien sur l'amendement de Monsieur Pélissard, c'est ça? Oui, numéro voilà. 17. D'accord, bon. D'accord. C'est pas... Oui, c'est cela. Oui, d'accord. Non, mais j'ai une prudence inhabituelle par rapport à mon tempérament, mais j'ai cru qu'ils étaient plus sages de l'avoir. L'avis du gouvernement est défavorable parce que tout simplement, en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, le gouvernement estime faire œuvre d'égalité républicaine. Et c'est au nom de cette même égalité républicaine qu'il n'est pas concevable qu'en un point quelconque du territoire, un couple ne puisse pas se marier parce que nous parlons du lieu. Nous sommes d'accord ? Parlons du lieu. Alors, oui. Qu'un couple ne puisse pas se marier dans le lieu prévu actuellement par le Code civil. Parce que ce lieu prévu par le Code civil, qui est la résidence du couple ou des parents... Non, on va peut-être faire un éclaircissement, parce que ce sont des protestations. Si on parle de choses différentes... Non, on est bien sur l'amendement numéro 17. Nous sommes bien sur l'amendement numéro 17. S'il vous plaît. Nous sommes sur l'amendement numéro 17, présenté par M. Pélissard, Mme Kosciusko-Morizet, voilà. M. Apparu, M. Alain Marleix, vous me direz merci, M. Chartier, Mme Genevard, qui l'a défendu, M. Abad, M. Decoul, M. Philippe Gosselin, M. Gérard, M. Olivier Marleix, M. Mariton, j'ai le droit, M. le Président, de faire une belle manière à l'opposition. Non, mais c'est vrai. Bon, il y aurait eu 100 noms que je m'en serais dispensé, mais là, c'était possible. Et qui dit, à l'article 74 du Code civil, après le mot « époux », sont insérés les mots « ou le ou les parents de l'un des deux époux ». D'accord ? D'accord. Et l'exposé sommaire,
c'est la possibilité légale, donner la possibilité légale aux futurs époux de se marier à la mairie du lieu de résidence des parents des époux pour des motifs à la fois d'ordre sentimental ou pratique. Madame. Oui, non, mais le gouvernement comprend parfaitement cet amendement comme étant une possibilité de ne pas être marié dans la mairie des, selon les dispositifs. Alors, expliquez cet amendement. Alors, attendez. Si oui, ce que Madame, vous expliquez. Non. Alors, de toute façon, indépendamment de ce que vous pensez. Alors. Madame Genevard, si vous me le permettez, Madame la garde des Sceaux, pour que chacun puisse retrouver le sens de cet amendement. Madame Genevard, vous l'avez présenté, je vous redonne la parole. Madame la garde des Sceaux, il se trouve que nous sommes... Allez. Il se trouve, Madame la garde des Sceaux, que nous sommes très souvent sollicités par des jeunes gens qui veulent se marier. Non, mais elle écoute. Je vous l'ai dit hier non, soir. Non, elle me demande d'attendre. La garde des Sceaux peut faire les deux. Non, elle m'a demandé d'attendre. Bien. Non, alors, écoutez. Madame la garde des Sceaux, laissez-moi vous expliquer en quelques minutes. Bon. Il est très fréquent que nous soyons l'objet d'une demande de la part de futurs jeunes mariés de pouvoir se marier dans la commune de résidence de leurs parents, là où ils ont grandi, là où ils ont leurs amis. Et très souvent, nous acceptons, en régularisant le fait que ce soit une adresse de résidence. Alors, il s'agit de mettre en conformité la loi avec l'usage qui fait que des jeunes gens puissent se marier dans leur commune de résidence, d'origine. Simplement, Madame la garde des Sceaux, il ne s'agit pas de tricher, il s'agit de prendre en compte une réalité de fait. D'ailleurs, c'est l'un des arguments qui ont motivé cette loi, de mettre en conformité la loi avec la réalité des usages. Eh bien là, il ne s'agit de rien d'autre chose que cela, permettre d'insérer dans la loi une extension tout à fait encadrée. Il ne s'agit pas de biaiser avec la loi, ni d'ouvrir déraisonnablement les choses, simplement de permettre à des jeunes gens de se marier là où ils ont grandi, là où leurs parents résident. Monsieur le Président de la Commission des lois. Oui, Monsieur le Président, je voudrais que nous donniez une suspension de séance très courte, de façon à ce que nous puissions discuter, puisque là, il y a des éléments que nous n'avions pas. La séance est suspendue pour une minute.
secondes. La séance est reprise. Mes chers collègues, je vous propose de suspendre nos travaux à ce moment-là, puisque la commission des lois demande un petit peu de temps pour peaufiner la position de cette commission sur l'amendement. Prochaine séance, cet après-midi à 15h30, suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La séance est levée.